Ok, ok. J'ai peut-être un peu pété un plomb. J'ai peut-être un peu pété un câble avec ce gros bâtard de requin là. Mais écoute, je pense que ça a été une épreuve. De toute façon, prochain stream, on sait ce qu'il faut faire. Il y a juste à rusher dans la salle, faire 2-3 trucs, éviter des requins, se pas se faire manger, pousser un truc. On sera tranquille, vous inquiétez pas. En tout cas, là, on va s'occuper d'autre chose. Là, tout de suite, quelque chose de bien plus grave. Quelque chose de plus sale. Quelque chose de plus malade. Quelque chose de plus sombre et mauvais que Horizon Evil. est-ce que par contre on a plus de musique? Est-ce que je peux remettre la musique? Ouais. Toujours pas? Non, on a pas. Ah, peut-être que j'ai viré le son du jeu. Toujours pas? Ah, si. Ok, alors. On va charger une partie, donc ça, voilà, la vie de famille. J'ai déjà fait une partie en fait où j'ai créé déjà quelques familles, mais on va refaire. Hein, bien entendu, une famille à nous, on va prendre un appartement de merde pour faire une famille. Ça va être un stream tranquille, les gars, vous inquiétez pas, je vous invite à aller chercher un truc à bouffer, un truc à boire. Je sais même pas encore sur quoi on va partir comme type de famille, mais je sais déjà que je veux un gros appartement de merde. Je veux un appartement pourravissime, quitte à expulser quelqu'un. Regarde celui-là, là. Ça a l'air d'être un peu de la merde celui-là, non? Regarde, en plus il y a des gremlins apparemment dedans. Ah, ou alors celui-là qui est hanté. J'hésite. Entre les quatre là, parce que. Il y a déjà. Merci Fennec, merde, attends. Attends, il y a ma fenêtre des veines qui a pété un plomb. Attends, même la musique se barre pour faire signe de livre ce jeu maudit. Mais je sais, Fennec, mais écoute. Regarde l'horreur. J'ai l'impression qu'on va vivre à côté de Carrot Top et d'un terroriste islamiste. Le hanté? Le Gremlins? Le hanté, Gremlins? Les Gremlins hantés? Ah, ça va pas m'aider. Hein. Hanté, on part sur hanté? Allez, on part sur hanté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un gros loser neat? Sinon, tu peux éditer les propriétés des maisons et avoir hanté plus gremlins. Ah ouais? Comment on fait déjà? Ah oui, c'est ça, non? Genre, je peux éditer direct la baraque. Fais un gros nerd, ok. On fait un gros nid, alors. On fait un gros nerd, pas de boulot, pas d'études, qui vit dans sa pisse. Ok, on peut faire ça. Allez. Est-ce que ça peut charger, par contre? Ok. Et c'est quoi ces chansons cheloues là? Tweet, tweet, tweet. Maison du piment. Ok. Et comment on change du coup les. Comment on peut changer. Ah, oui, on peut changer les caractéristiques. Alors, on va foutre bestiole grouillante et hantée. Ça vous va, non? Oh, j'adore. Il y en a plein, mec, il y en a plein. Répugnant, repère de vampires, sombre alignement, zone de reproduction. Tu crées pas des gens. Mais si, l'Oltrich, calme-toi, détends-toi, je viens de lancer, là. Oh. Les gars, qu'est-ce qu'on met? Hanté, bestiole grouillante, ça vous va? Dégoûtant aussi, mais le problème, c'est qu'on peut pas changer le premier, c'est con. Attends, 660 sites, Spencer Street, voilà. Vas-y, on va faire ça, on va foutre grouillant et hanté, comme ça, ça va être... Ou grouillant et dégoûtant? On met grouillant et dégoûtant? Ou grouillant et hanté? Enfin, grouillant et répugnant? Je sais pas, grouillant et répugnant ou grouillant et hanté, les gars? C'est vous qui me dites, ok? Hanté, dégoûtant, hanté, ok, allez. Allez, grouillant et hanté, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse, ça va être Resident Evil, quoi. Donc Spencer Street, c'est bon. De toute façon, on va rien changer pour l'instant. On va laisser les gens démeubler ça et le remeubler à sa guise.
Comment on fait pour se barrer? Je sais même pas comment on fait pour se barrer. Gérer les mondes? Ouais, sauvegarder et gérer les mondes, normalement ça devrait être bon. Ça va être ce que ça va être, je pense. À ma guise. Ok, alors du coup on va le faire habiter dans Spencer Street, c'est celle-là, voilà, 666 Spencer Street, historique, bestiole grouillante et hantée, c'est parti, c'est parti poteau. Rip Jean Rochefort, oh le pauvre. Non mais ça part déjà tellement mal quoi, mais ça part... Regarde-moi ce truc, mais c'est quoi sa bouche là? Mais mec, mais respecte-toi un peu. J'arrive même pas à choper son menton, putain. Oh là là, mais non, mais c'est pas possible. Il y a vraiment... Oh là là, il a l'air limite réaliste. J'ai l'impression de connaître un mec qui a cette gueule-là. C'est bizarre, non? Attends. Il me rappelle quelqu'un, merde. Attends, mais il ressemble à quelqu'un, mec! On dirait genre un homme politique ou un truc comme ça. C'est le père de Jimmy Neutron! Vas-y, aléatoire, aide-moi, aléatoire. Ouh là là! Oh la vache, le cyclope! Mec! Oh là là! Describe him to me! Ok? Ouais, super. C'est quoi ce mec totalement normal, là? Ah, ouais. Vénère un peu, quand même. C'est quoi ce mec totalement normal? Wouah! Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, mec. Oh, lui, il écoute Amon Amarth. Oh, lui. Oh, lui, il écoute Amon Amarth. Il écoute NC Ferrum. Et il a un Mjolnir. Regarde, il a déjà son Mjolnir décapsuleur. Mec, tu trouves pas que c'est un petit peu paranormal le fait qu'il soit très très moche et qu'il est le symbole du cancer juste là? Oh mec, quoi, on le garde comme ça ou quoi? Parce que j'aime bien son côté en fait, où ses yeux sont presque indescriptibles, indicibles. Faut le foutre. Jean-Hugues Mâchoire. Mec, il est taillé comme un jet ski. Oh, regarde-le. Il a une ligne de flottaison, mon gars. C'est un truc de malade. Voilà. Oh, Scad. On va lui foutre une calvitie, mais pas la belle calvitie. Je veux la calvitie un peu moche. Je crois qu'il y a ça, normalement. Déjà, on va pas se limiter aux coiffures masculines, parce que c'est sexiste. Oh. Oh, il est précieux. Oh, c'est un cadeau. Il y a un remorqueur. Ah, voilà celle-là. Voilà, ça, c'est une belle coiffure de nid, ça. C'est une belle coiffure de nid. Qu'est-ce qu'on a dit, non? Magnifique, mais je sais, il est beau. Oh, il est beau. Oh, quel homme. Genre, j'ai rien qu'il ait une grosse bouche. Non, vas-y, fais péter les lèvres, poteau, là. Voilà, fous ça au max. Voilà, cet homme a l'air vraiment délicieux, en tout cas. Whisky. Oh, l'aspirateur. Oh, mec. Oh, il est sublime. On dirait César dans... Comment ça s'appelle? On dirait César dans la planète des singes, mec. Oh, c'est un ramasse-miettes. Oh, le pauvre garçon. Oh là là. Oh, oh. Oh, putain. Mec, ça me met mal. Ça me met physiquement mal. Oh, on va le remettre comme ça. Voilà. Comme ça, voilà. Ah, il m'a fait peur. Oui, il ressemble à Donnie un peu, oui. On va l'appeler Donnie, mec. Oh, oh, les super yeux de malade. Oh, grave. Ah, j'adore. Attends, par contre, j'aimerais bien faire un truc. C'est... Déjà... Ah, attends. J'aimerais bien choper... Les sourcils, voilà. Enfin, les cils. Les paupières, je veux dire. Voilà, il est bien, là.
Il est bien parce qu'il a l'air vénère après le monde et en plus il peut ramasser les miettes super, super facilement. La beauté est parfois incompréhensible. Je pense que juste c'est trop tôt pour qu'on comprenne la beauté de cet homme. Mais je pense que dans quelques années, 2050, 2060, je pense que les gens comprendront à quel point ce mec était sublime. On va lui mettre les lunettes que mon pote Galad avait quand il était gamin. Ou alors est-ce qu'on lui met des gros lunettes d'intello comme ça? Ah, j'hésite, mec. Il a l'air totalement idiot. Ah non, ça c'est pas vrai ce que tu dis. Non, ça a l'air d'être un homme. Ah ouais, oh, des lunettes un peu sérieuses comme ça. Ah, oh, c'est bon ça. Ok, donc je vous rappelle, on fait un hit, hein, donc on fait un mec un peu minable, mais j'ai envie de dire, pourquoi il pourrait pas connaître l'amour? On dirait un prof de maths nul. Comment on l'appelle? Parce que j'aime bien soit César, soit Donnie, en fait. Comment on l'appelle, les gars? Trouvez un nom pendant que je l'améliore, pendant que je l'improve. Oh mec, ouais, en plus, il va y avoir la Comic-Con, il va y avoir tout, quoi. Ah, oh, il va faire du cosplay, mais de ouf, ce mec. Donnie, c'est bien. Oh putain, ouais, Donnie, c'est bien. C'est quoi la marque Attends. Il y a une marque d'aspirateur. Oh, Dyson. Donnie Dyson, c'est super cool. Mec, Donnie. Non, c'est Donnie comme ça, je crois, non? Donnie Dyson. Yes. Yes, mec. On dirait un autre personnage de Marvel. Oh là là. Thibaut. Oh, Thibaut Nobo, c'était bon ça aussi. Oh, mec, je suis dégoûté. Eh ben, écoute. Ouais. Oh, Thibaut Nobo, c'était bien. Oh, merde. Mais Donnie Dyson, je suis désolé, c'est... Ah, j'hésite. J'hésite maintenant. Attends, on va laisser ça pour l'instant. Ouvre pas la bouche. Je t'en supplie, ouvre pas la bouche. Oh, il est superbe. Oh, il est superbe. Mec, c'est déjà tout tracé. J'ai rien à choisir. Mec, j'ai littéralement rien à choisir. Tout est tracé, là. Regarde. Hop. Tac. Mais oui, mais j'ai rien à faire. J'ai même pas à trouver des idées pour le mec. Tout est fait. Tout est fait. Bien entendu, mais pff, mais c'est évident. Mais c'est évident, quoi. Mais oui, ho ho, bah voilà. Oh, j'adore. Oh, c'est un cadeau, ce mec. Il est précieux, quoi. Il est précieux. Il est où? C'est celui-là? Attends. Voilà, voilà. Oh, j'adore. Oh, il est sublime. Il est... Oh. Oh, j'adore. Ah, je suis fan. Ok, attends. J'aimerais bien qu'il ait un tatouage nul aussi. On va lui foutre un petit collier un peu edgy. Tiens, un collier qu'il a eu dans son voyage en Tunisie. Il a été obligé d'y aller, hein. Il était pas invité. Bien sûr, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui virer toute possibilité musculaire. Voilà, fous-le tout sec, mais quand même avec du bide. Genre, il y a des mecs improbables comme ça, voilà. Voilà. Là, c'est bien. Oh, putain, il est tellement... Il est beau. Il est beau, quoi. Le t-shirt Linka. Oh, la pauvre. Mais bien sûr, Donnie Dyson a aussi trouvé une meuf. Bah, évidemment qu'il va trouver une meuf. Pourquoi il aurait pas le droit à l'amour? Je peux savoir pourquoi il aurait pas le droit à l'amour? T'inquiète, il va trouver une meuf. On lui fout une jolie montre en or qui montre un petit peu que malgré qu'il soit fauché et qu'il joue toute sa journée à WoW, il va trouver un moyen. Il a tellement trop de bagues, on dirait moi. On va lui foutre un tatouage nul. Il y a quoi comme tatouage de merde? Oh, il est beau. Regarde-moi cet athlète. Attends, est-ce qu'on peut pas le... Voilà, on va lui faire s'affaisser. Voilà. Oh, j'adore. Il est ce streamer 2019. Attends, j'aimerais bien lui foutre un tatouage un peu nul. C'est quoi? on lui fout un Trump stamp ou pas? Vas-y, on va lui laisser pour l'instant le petit... Oh là 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 là. Ah, oh, il est sublime. Attends, on va lui retirer la nana là et on va juste garder le petit cœur là. Voilà. Oh, quel homme. Corps et peau, bien sûr, il faut le mettre plus pâle, bien évidemment. Sa tête, parce que j'ai oublié ça, on peut lui foutre des dents complètement pourraves, déjà. Lui foutre des... Voilà. Oh ! Oh, il est beau ! Oh, mec, il y a tout qui va. Les boutons et tout.
Oh, j'adore. Smash. Ah, oh, il joue à Smash. Mais évidemment qu'il joue à Smash, c'est marqué sur sa gueule. Il met une Fox. Il met une Star Fox. Destination finale. Destination finale, mon gars. No item, destination finale. On est bon, les gars, on est bon. Oh merde, on dirait mon frère. Oh non, oh non, ah non, je refuse de faire quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre. Ça non. Toute ressemblance avec quelqu'un ayant existé ou existant est purement fortuite. Attends, j'aimerais bien lui faire faire en sorte que c'est voilà, que ses chaussettes soient un peu teintées par le fait qu'ils savent pas trier les couleurs du blanc. Ça j'aime beaucoup. Donc tenue pour tous les jours, ça c'est fait. Maintenant. Oh là là, mais ce mec c'est un cadeau tous les jours quoi. Je suis fier de cet homme. C'est sympa ce stream, mais je vais devoir demander mes droits à l'image. Oh, bon genius. Je suis désolé. C'est le fait. il a mis ses plus belles boucles d'oreilles. Salut Voltix, c'est ça mec. Je veux un truc un peu naze. Faut pas qu'il ait la classe quand il s'habille sur son 31. Faut que ce soit un 31 nul. Et 31 nul, je vois pas vraiment d'autre chose que juste une veste par-dessus un t-shirt quoi. C'est vraiment pas mal comme 31 nul. Ah putain, c'est pas mal. Un pull moche. Ah oui, le pull moche, putain. Ils sont où les pullovers? Voilà. Qu'est-ce, putain, on dirait qu'il est habillé comme... comme ça, là, on dirait un des mecs, tu sais, les nerds dans... Canis Can et Médite. Le pull de Yadar. Même lui, il a rigolé. Ah bah voilà. Non, mais y a pas de pull moche. Ah si, y en a, mais... Ouh. Oh, c'est superbe. Putain. Oh mec, c'est superbe, le jaune dégueu vomi. Ah, j'adore. Il lui faut un pantalon maintenant qui est bien nul. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre quand on essaie d'être sur 131 mais qu'on n'y arrive pas? Le pull en laine de mamie. Mets-lui un legging. Attends, on me parle? Non, personne. Ok, personne me parle. Je croyais que quelqu'un m'avait envoyé un message du genre te fous pas de ma gueule, une connerie comme ça. Celui que t'as là, ça va. Ouais, mais. Oh. Ou un jean nul un peu? Genre un jean que lui pense bien taillé, mais qui est naze. Oh, c'est pas mal ça, mec. Hein. Un vieux pantalon à rayures. Oh, ouais, un truc en velours côtelé là. Ils font un pantalon en velours côtelé. Est-ce qu'ils ont un pantalon en velours? Je sais même pas. Oh, le truc mal taillé, c'est super. Un baggy. Marron en plus. Oh, c'est beau. Oh, ça c'est un peu dégueu, ça. Y a pas vraiment un truc à rayures, là? Oh, putain, y a vraiment... Oh, putain. Je suis impressionné par la quantité de choses belles que je vois depuis tout à l'heure. Ça, vraiment, c'est pas mal. La matière des jeans velours. C'est le problème, y a pas de velours côtelé là. Oh. Pourtant, c'est la meilleure matière quand tu veux faire un truc chum. Ça, c'est l'esprit de Noël. Ah ouais, ça, c'est son côté festif. Yes. Et on va lui mettre. Attends, on va lui mettre ses plus belles sandales, bien évidemment. Parce qu'il est. Ah voilà, ça, c'est les sandales. Ça, c'est les sandales qu'il met pour les beaux jours. Et on va lui mettre des chaussettes de ville, hein. Forcément, quand on s'habille classe, faut pas déconner. Et attends, il doit avoir un beau Fedora quand même. Il doit avoir. M'lady. Voilà, marron qui fait un peu rappel à son goût de merde. On va lui mettre une belle boucle d'oreille aussi. Et attends, on va lui retirer ses lunettes parce qu'il assume pas trop ses lunettes. Tu vois, voilà, oh. Oh, sublime. Oh, sublime. On lui changera... Je suis désolé, mais c'est tellement trop bien. En plus, Thibaut, quoi. Je connais tellement de Thibaut. Je suis désolé pour les Thibauts qui sont là, mais j'adore, quoi. Allez, oh mais putain, ces vêtements de sport, ils sont déjà géniaux, quoi. Il est vraiment génial. Il n'y a pas un monocle. Oh, tu crois? Oh putain, s'il y a un monocle. Oh, il doit y avoir un monocle, non? Putain, il n'y a pas de monocle. Non, il n'y a pas. Oh là là, non, c'est bien. Ok, alors maintenant, pour le sport, enfin bon, on le connaît, le mec. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre pour le sport? Un truc un peu gênant.
un truc un peu... Hop. Ah, Captain Tsubasa. Attends, faut lui mettre un t-shirt un peu trop... Yes. Yes, voilà. Oh, il est beau. Oh non, merci, un slip de meuf, on voit son huc. C'est pas grave. Oh, il... Non, mais c'est pas grave, de toute façon, il sera jamais en tenue de sport, les mecs. On le connaît, Thibaut Nobo. Et il sera jamais en tenue de sport, bien entendu. C'est évident, mais si. Comment ça dort, les moches? Ah, oh, bah, il est génial, déjà, là. Regarde, il est parfait, il a ses chaussures. Il a ses lunettes pour lire les bouquins de Donjons et Dragons la nuit. Il a un pec, là, non? Le t-shirt du bas, il y avait quoi comme t-shirt du bas? Ouais, bon, j'avoue. Ouais, bon, j'avoue. Y a plus, il y a du goût, là. Oh, oh! Oh, il va tellement serrer, mon gars. Il va tellement serrer, quoi. Il peut tenir son livre avec le menton. Les mecs qui vannent Donjons et Dragons et qui cherchent les manuels à côté. Bien évidemment, c'est pas parce que je vanne que c'est pas applicable à moi, poto. Hein. Il a ses chaussures barbecue. Ah bah oui, non mais t'inquiète pas, pour la tenue de fête, il va avoir ses plus belles tenues, ses chaussures barbecue, c'est obligé. Hein. Pour l'instant, la tenue de nuit. Qu'est-ce qu'on va lui mettre en tenue de nuit? Il faudrait un petit pyjama Spider-Man, mais le problème c'est qu'on n'a pas. Il faudrait un... Oh, j'aime bien moi les pyjamas entiers. Il n'y a pas... Hello, my lady. Oh, t'as pas des genouillères? Pourquoi des genouillères? Oh, oh mec, j'aimerais... C'est dommage qu'il y ait pas de... Putain de truc Spider-Man, là. C'est Ruth qui sort de la douche, ça, bien évidemment. M'lady. Ah, des grenouillères, merde. C'est quoi des grenouillères? C'est Je sais pas. Je sais pas ce que c'est une grenouillère. C'est ça, une grenouillère? C'est ça? C'est ça, là? Je sais pas ce que c'est une grenouillère. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre pour le... Oh, il est beau, oh. Mec, on dirait un pervers qui a piqué une robe par terre dehors, quoi. Ah oui, en entier. Bah ouais, mais pour les maillots de bain, quoi. Comme ça, comme ça quoi. Mais ça va pas marcher. Mais ça va pas... Mais c'est pas ça. Mais il peut pas dormir avec ça. Attends, non, on va lui mettre... On va le faire dormir correctement quand même. Le pauvre, attends, déjà t'as vu sa gueule, il va pas en plus se taper des nuits de merde. Voilà, on va faire en sorte qu'il ait même pas le même haut et le même bas, ce qui est impossible. Oh putain. Attends, du coup, on va aller virer ses chaussettes. Ah non, si, il dort avec ses chaussettes, bien sûr. Non mais oui, non mais c'est évident. C'est évident qu'il dort avec ses chaussettes. Sale. Et il lui faut des beaux... Voilà, des beaux chaussons. Ah, oh, c'est parfait. Y'a pas des chaussons tigre ou des chaussons potame? Ça lui rentre dans le huc. C'est pas grave, ça. Va en entier, retire sommet, tu pourras trouver ce que tu veux. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait, mais du coup, il n'y a pas de genre de grenouillère, comme vous disiez. Il y a un truc de barbecue pour quand il aura ses chaussures barbecue, mais... Vous voyez un truc... C'est quoi? Attends. Grenouillère. Ça ressemble à quoi? Ah! Mais c'est un pyjama de cow-boy! Mais faut le dire tout de suite! Mais faut le dire tout de suite! Vous dites grenouillère, c'est complètement con. Mais quoi? Mais oui, c'est un pyjama de cow-boy. Bon, on peut en faire un au pire. On peut en faire un, tu sais, on fait bah ouais, c'est pas ça fait pas tellement ça. Du coup, c'est pas une pièce mais bah écoute, il y a pas je crois pas qu'il y ait de grenouillère. Je crois pas qu'il y ait de grenouillère mais écoute pyjama de cow-boy. Bah quoi? C'est vrai, non? C'est vrai, non? C'est... Tous les cow-boys, ils ont ça. Bon, déjà, ça, on sait ce qu'il va porter. Il va porter une tenue pour barbecue. I got my barbecue shoes on. I'm gonna smoke me a fatty brisket. Il était où, le truc barbecue? Voilà. Impeccable. The pitmaster. Yes. Yes, et du coup, il lui faut un Stetson parce que c'est un pitmaster. Déguise-le en Leia pour la fête, t'inquiète, il aura t'inquiète, il aura deux tenues, t'inquiète, on n'est pas des fous. Yes. Yes. Quel homme. Oh, quel homme. Je suis fan de ce mec. Et du coup, on va quand même lui mettre la tenue de Leia pour la fête, ouais. T'as raison, mec. Déjà, on va lui foutre la tête de Leia. Dans les KPO. C'est... Voilà. Impeccable. Attends, on va lui virer les lunettes, quand même. Attends, il va être maquillé jusqu'au bout, quand même. Attends, il me fout du eyeliner. Voilà, impeccable. Des petites joues roses. Attends, c'est une princesse, c'est pas personne, hein, les gars.
Voilà, un petit rouge à lèvres discret. Oh ! Ah, l'orque ! Ah, putain ! Gros loup, gros mazog, quoi. Oh, c'est chaud de la vie ! Ok, c'est impeccable. Et du coup, la robe, une robe de... Voilà, ça. Prions pour lui. Prions pour lui. Il est sublime, il est super. C'est Link the Sun. Ah, j'adore. J'adore quand vous moquez des gens. Ok, et du coup, bah, pour la tenue de bain, ça va être une pièce, forcément, parce que c'est un gars raffiné, il va pas se peigner tout nu, quand même. Une pièce un peu naze, ouais, bah écoute, parfait. Ça, c'est pas mal. Par contre, je sais qu'il y a un truc, je crois, dans les maquillages... Non, dans les accessoires, peut-être. Merde, où est-ce que c'est? Je sais qu'il y a un truc... Merde, c'est où? Je vais être une princesse. Attends. On va lui mettre déjà un truc. mais il y a un autre truc que je cherche. Normalement, ça doit être dans les accessoires. Ça doit être dans les accessoires de visage. Merde. Un bonnet de bain. Tu crois qu'il y a un bonnet de bain? Ah bah remarque, oui. Attends. non, je déconne. Il y avait ça, c'était un peu un bonnet... Oh, il est beau. On va aller foutre des lunettes quand même pour la plage. Parce qu'on n'est pas fou. Voilà, impeccable. Merde, c'est où ce que je cherche? Ça doit être dans peinture pour le visage, normalement. Voilà. Impeccable, on va le retirer. Voilà, il a quand même sa crème solaire. C'est pas un inconscient. Et bah, bien sûr, il va garder ses chaussettes parce qu'il a des ampoules. Il a des verrues. Du coup, il faudrait qu'il y ait des chaussettes qui ressemblent un peu à des chaussettes médicales, là. Oh merde, ça existe pas. Dommage, c'est pas grave. On va aller foutre des chaussettes comme ça, c'est impeccable. Écoute, moi je le trouve superbe. C'est un homme plein de goût, en fait. J'adore cette tenue. Elle est parfaite, mais je pense vraiment que ma préférée, c'est celle-là, quoi. Oh, j'adore. Thibaut Nobo. Dans nos cœurs, t'es dans nos cœurs. Y a pas des chaussons de plongée. Des chaussures en plastique. Mais oui, y a pas... Ah, si, attends, peut-être. Peut-être qu'il y a des chaussures en plastique dans les sandales. On peut peut-être lui trouver un truc qui ressemble un peu, voilà, genre comme ça, quoi. Des tongs. Ah, mais évidemment, des tongs. Évidemment que je veux des tongs, voilà. Écoute. Il a un pec, non? Il a peur des méduses. Salut, Buzz Viner. Ça va, mec? Tu arrives à point nommé. Tu vois, tu arrives à la naissance d'un personnage, quand même. C'est Nexus 6. alors, qu'est-ce que ça va être son but dans la vie? Amour. Je pense que ça va être amour romantique en série, ou alors âme sœur. Donc, soit il va niquer plein de personnes, soit il va en niquer une seule, mais pour la vie. Déviance, dit Spider, ennemi public ou roi des bêtises. bien entendu, il y a connaissance aussi. Maître vampire, érudit en archéologie, sim aux multiples talents, génie de l'informatique, cerveau exceptionnel. Trouver une femme. J'ai l'impression que ça va être trouver une femme. Attends, parce que par contre, on n'a pas fini. Il lui faut une démarche de merde. Oh, c'est impeccable. Oh, t'es sublimé. Thibaut, je t'aime, Thibaut. Voilà, une voix un peu dégueu. On va le faire pisser assis. Et qui t'aime les cinémas ou les comédies? Et qui t'aime les films de gladiateurs? On dit informatique ou quoi? Est-ce qu'on le met en génie de l'informatique? Parce que du coup, ça lui fait un bonus d'intelligence, il apprend vite. Écoute, on verra après. On verra après. Je suis ingénieur informatique. Hein. On va le mettre romantique, bien entendu. Et écoute, c'est évident que ce mec est un grand romantique. Geek, forcément. Non, pas geek, ce serait un peu une insulte. On va plutôt le mettre genre paresseux. Non, crasseux. Et c'est ouf. Glouton. Voilà. Est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est bien? Ah, oh, il est en train de me roter à la gueule en plus. Solitaire. Ah, c'est vrai, c'est pas mal aussi, solitaire. Vas-y, on va virer ça. Tac, solitaire. Voilà. Bip.
les jambes. Oh, je suis fan de ce mec. J'ai envie d'être lui plus tard. Yes. Comment il peut être taillé en poire mais sur le profil, c'est génial. Est-ce qu'on lui met un chat? J'ai envie de dire on lui met un chat, non? Parce qu'un mec comme ça en général, c'est un chat, non? Un chien? Merci Ruri, j'ai le tuto pour faire le perso qui me manquait. Un chien pété. Il collectionne les jeux des consoles rétro, mais il est également fan de Fury. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer tellement il est parfait, quoi. Non, pas un ours. Mec, c'est Noctis. Mec, le gars habillé en Noctis, c'est génial. Vas-y, ok, troisième tenue. Troisième tenue, on lui fout une tenue de furie. Mec! I studied the blade! While you were having sex, I was studying the blade! Non, pas un ours! Mais l'ours avocat! Non, il est où le raton laveur nul? C'était bien. While you were partying, I was mastering the art of war! Il est où? Merde, je l'ai paumé! Il est où le raton laveur nul? Ah là, ok, impeccable. Oh yes. And now you're there asking for help. Mec, non, t'inquiète, Noctis il est là, Noctis il bouge pas. Oh, j'adore. Mais en plus, oh, c'est génial. Mais c'est du génie, quoi. Mec, oh putain, je suis fan. Il y a des tenues de ouf, mec. Il y a une tenue de cowboy, on s'en fout, mais. Parce qu'il y a une tenue aussi de super lama, et ça, on s'en bat les couilles. Oh, c'est super. Bref, on va pas trop garder de temps là-dessus. Putain, Lion Noctis, obligatoirement joué à Smash, bah bien sûr. Ta-la-ta-ta-la-ta-la-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mec, j'aurais dû installer des mods pour avoir des katanas et tout. Ok, alors un Kleps. Écoute, un chien, du coup, vous avez dit un chien surtout? Oh, le pauvre Kleps. Qu'est-ce qu'il y a comme chien? Mais c'est pas possible, on peut pas faire un chien moche, c'est forcément adorable un chien. Y'a quoi comme chien nul? Même ceux-là, je les adore. Même ces chiens-là, je les aime bien, moi. Regarde, c'est que... Non, on va lui faire un chat. C'est plus facile d'avoir un chat moche. Tous les chiens, c'est les enfants de Jésus. On peut lui faire un renard, sinon. Mais oui, il faut lui un chat, évidemment. Ça a pas de chien, ces mecs-là. Un chien, faut le sortir. Tu crois que lui, il va sortir son Kleps? Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. On va lui faire un gros chat moche de merde. Il va avoir... Voilà. Il va avoir un putain de raton laveur. Yes! Bien sûr! Mais bien sûr! Attends. Attends! Merde! Attends! Merde! Attends, faut que je devienne. Ah, c'est pas assez grand. Ok. Sora, quoi. Mec, c'est la plus belle idée du monde. Attends, y a pas un skin. Mec, le fait qu'il ait un putain de raton laveur. Ah, mec, le fait qu'il ait un putain de raton laveur chez lui, ça me
tue, quoi. Je trouve ça génialisé. Déforme-le. Tu crois qu'on peut? Genre, on peut lui faire... Ah! Ah, mais... Attends, je vais lui remettre les yeux d'avant, ça faisait plus raton laveur. Voilà. Fluide, une couleur de merde pour les yeux, une couleur flippante. Oh la vache, il va bien s'entendre avec Hans Landa, lui. Do not kill. Ceci est un chat. Oh, j'adore. Attends, j'aimerais bien lui foutre... On peut le niquer? Est-ce qu'on peut, genre, le détruire, le truc? On peut pas le déformer, lui. Ça marche pas. Oh, ah, il est tellement moche! Ah, mais il est tellement affreux! Ah, mais il a un problème, on dirait un... Mec! Je sais pas à quoi il ressemble, mais c'est horrible, quoi. C'est dégueulasse. Attends, je vais lui retirer le chapeau, parce que du coup, on arrive à moins apprécier les détails de... Il fout un vieux collier de merde. Voilà, ça, c'est impeccable. Kill it on sight! Voilà, les grandes oreilles de... Mec, c'est un ours, le bordel! Fais-le squelettique parce que Thibaut, il a la flemme de le nourrir. C'est vrai. Ça, c'est vrai. T'as pas tort. Par contre, on peut pas trop les affaiblir. C'est dommage. Ceci est un chat. Mec, il a aucun sens, le bordel. On sait pas... En fait, on sait pas ce qu'on regarde. C'est le truc, c'est qu'on sait vraiment pas à quoi on a affaire. Et j'adore le fait que ce soit une créature non identifiée, quoi. Je vais juste lui foutre des blessures. Voilà, parce qu'il s'est fait... Il s'est fait scratch la gueule par des vrais chats. Attends, comme ça, la couleur. Ouais, ouais. Voilà, il s'est fait démolir la gueule par un vrai chat du quartier. Oh, le pauvre! J'ai presque de la peine pour lui, maintenant! Ok, impeccable. Écoute, je pense que là on est bon. Malicieux territorial, on va lui foutre un truc de merde. Glouton, faut que de la merde. Glouton, paresseux. Non, paresseux c'est mignon encore. Putain, mais y a que des trucs sympas. Glouton distant. Et je sais, nerveux. Il est tout le temps stressé, le bordel. On peut lui changer sa voix un peu. Tiens, on va en faire un vieux déjà. Comme ça, il va crever dans pas longtemps, on sera tranquille. Avec Thibaut Nobo. Oh. Bavard, vous voulez bavard? Ok, la frappe de bavard alors. À la place de distant, on va le foutre bavard. Voilà, stressé bavard, le mec. C'est votre second poteau bavard! Il est tagué comme un putain de métro. Ah, mais mec, mais du coup, maintenant, je suis censé faire d'autres trucs. Moi, voilà, je suis désolé, mais. Ça, c'est toi qui me pousse aux emmerdes. Merde, à chaque fois, ça copie les deux côtés. Fuck. Attends. Je vais refaire ça tranquille. C'est le RERB. Merde, arrête de bouger, con de mime. Bouge pas, tu bouges pas. Skate. Or. Bouge pas. Die. Arrête. Et franchement, je vais t'euthanasier ta grosse race. Ok. Voilà. Arrête. Qu'est-ce qu'on peut dessiner d'autre? Une teub, forcément. Hop, hop, hop. C'est genre, en fait, le lore, c'est qu'à chaque fois, il se fait ken par des gamins dans la ville et il se fait taguer par tout le monde. Attends, mets-toi comme ça. Bouge... Non, debout, con de mime. Voilà, reste comme ça, ne bouge pas, s'il te plaît. J'ai un autre dessin à faire, je viens de voir une idée qui était assez cool. Voilà. Ok, impeccable. Impeccable. Ok. Allez. Let's go. Let's go, Thibaut. Oh, il aime trop son chat en plus. Mec, attends. Ah, celle-là, elle est bien. Oh, celle-là, elle est parfaite. Faites des screens, allez-y.
faites des screens. Vous avez le temps là. Je vous laisse 2-3 secondes histoire que vous fassiez des beaux screens de cette joyeuse petite famille et on y va. Voilà. Meublé, bien sûr que non, passer le terrain en bulldozer, voilà. Voilà. Allez, let's go, il est où, Nobo? Oh non, historique, mais non, ça a viré tous les trucs que j'ai mis. Je recommence, je le remets en hanté dégueulasse, vous inquiétez pas, voilà. Tac, on avait dit bestiole et hanté. Voilà, pardon. J'ai merdé, c'est moi, j'ai merdé. Petit Red Bull. De toute façon, il va crever dans pas longtemps. Ah, oh, j'espère qu'on peut garder le cadavre. Alors, tac. C'est génial, y a rien. On voit d'ici, y a que dalle, j'adore. Il va être visité par le fantôme d'une femme super belle. Oh, ce sip, merci. Ah. Oh, yes. Comment on descend, merde? Tu m'as fait utiliser 5% de ma puissance. Bravo, créature. C'est un riot. C'est un riot. Ok, alors, pourquoi pas de musique? Elle est où ma musique de construction là? Elle est où ma musique de... Wow. C'est quoi ces patacouèques là? Ok. Alors, voyons voir. Ah oui, parce que j'étais pas en mode construction, c'est pour ça. Je vais augmenter un peu le son par contre, voilà, qu'on ait bien l'ambiance quand même, qu'on ait bien l'ambiance des Sims. Alors d'abord, le truc le plus important de l'appart, bien entendu, le meuble extrêmement cher, avec un PC extrêmement cher dessus. Et finalement, rien d'autre. On va le foutre juste devant, genre, la fenêtre, que les gens puissent le voir se branler quand même. Comment on fait déjà pour tourner? Voilà, comme ça. Hop, tac, voilà. Impeccable, un PC bien trop cher dessus. Non, pas un Mac, on n'est pas des PD quand même. Putain, ceux-là, ils sont bien la vache. Ah, j'ai hâte de les avoir. Ok, on va prendre... Y a pas un PC rouge de gamer de ouf, là Ah, voilà. Yes, un Alienware, enfin. Enfin, un Alienware. Directement, j'ai envie de dire... décoration. Voilà, des trous dans le mur. C'est toutes les fois où il a perdu à Dota, si tu veux. Voilà, impeccable. Des gros cracks comme ça. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. J'aime bien le principe. Mais maintenant, quand même, il va me falloir un truc un peu dégueu. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en truc un peu dégueu qui serait de mauvais ton, tu vois? Genre des trucs pour gamins comme ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il collectionne des trucs pour enfants, genre des amiibo. Je suis désolé pour tout le monde. Ah ouais, les Pokémon et tout là. Vas-y, fais péter les Pokémon. Fuck me up, fam. Fuck me up. Ah ouais, les meufs à Walp. Yes, vas-y, les idoles. Bien entendu, les idoles. Fais péter, ouais, mais bien sûr. Ouais, les décorations pour Ab. Yes. Ça, c'est bon, ça. Plein de posters de merde. Ok, ça c'est bon, un poster de film, ok, j'en ai plein, je vais me vanner tout seul, c'est pas grave. Y'a pas des posters qui sont un peu sur le côté, nul là? C'est quoi ça? Non, ça c'est trop culturel ça. On verra après pour la décoration, je suis désolé, je me laisse un peu emporter. Il lui faut une belle chaise quand même, mais pas de la même couleur, une chaise, une DX-Racer, voilà. Ça c'est une DX-Racer, voilà. Oh, je suis jaloux. Je suis jaloux de cet homme. Je suis un peu du jeu avec les pseudo Funko Pop. Roblox? On va lui foutre une lampe un peu spéciale. Non, ça c'est n'importe quoi.
Ça là, ça c'est bien, ça fait un moitié nerd geek de merde là. Mais il va nous falloir autre chose qu'on va trouver ici. Voilà, il est où? Non, c'est peut-être dans la chambre. Non, tu sais quoi, on va classer directement par style. Et ça va être en décoration. Je m'y connais beaucoup trop dans ce jeu à la con. Et c'est là, voilà. Bien sûr, bien entendu, les Kleenex à côté du truc. Qu'est-ce qu'on peut lui foutre d'autre? Des bouquins? Non, parce qu'il sait pas lire. Une statuette à la con, c'est à voir à ça. Voilà. Je sais pas ce qu'il a joué à Okami. Hein. J'aime beaucoup Okami. Hein. Ne prenez pas ça pour un bash à Okami. Voilà. Ça je trouve déjà qu'en fait, son coin est génial. Est génial. Oh, les foot. Attends. Voilà, yes. My boy's got some style, man. Non, ça fait trop décoration en fait, voilà. Maintenant, bah écoute, donc ça le gaming corner, ça c'est bon. Et en fait, j'ai envie que ce soit un peu le seul endroit limite éclairé. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est le seul endroit où il a mis un peu de boulot, quoi, où il a fait des éclairages, etc., etc. Juste une vieille lampe à pied. Non, un vieux néon de merde. Oh, yes. Yes. Ils sont où les néons de merde? Yes. Néon de merde, juste derrière le PC. Non mais faut que ce soit un néon coloré, comme ça fait des belles photos sur les threads les threads de Battle Station. Attends. Voilà, couleur, cette lampe. Voilà, comme ça il va pouvoir bien faire des belles photos sur les threads de Battle Station sur 4chan. Mets un matelas dégueu pour sa chambre. D'accord. Ok, donc la chambre. On va s'attaquer à la chambre. Je suis désolé, je vous lis un peu moins que ce que je pensais. Je vais vous lire un peu plus, désolé. Bien entendu, un lit double, parce qu'il a toujours envie de niquer Samantha, qui lui a dit bonjour une fois à la fac. Hop. Un petit lit simple qu'il a gardé depuis ses 12 ans. Ok, on regarde ça alors. Un vieux lit gonflable de merde. On parle là-dessus? Un lit, une place? Non, parce que... Non, mec. Mec, il va niquer. Ce mec, il va soulever, mais un truc... Je crois que vous vous en rendez pas compte. Que ce mec-là, ça va être une rockstar. T'inquiète. Samantha disait toujours bonjour à ses amis derrière. Oh. Aïe, pourquoi tu dis des choses comme ça, toi? Mais t'es shaitan ou quoi? Voilà, une vieille boîte. Parce que bien entendu, il fait pas attention à ce qu'il utilise. Voilà. Ah, oh, yes. Impeccable. Pas de porte ou pas de mur, il a pas de temps. Bien entendu qu'il a pas le temps. Ouais, oh. T'as cru qu'on vivait chez quelqu'un de civilisé ou quoi? Une vieille caisse pour le chat de merde, la litière pourrave, pas loin du lit, on la fout dans le coin, là, pff, voilà. La gamelle, s'en fout, c'est un chat, il va crever de toute façon. C'est même pas un chat, ça a ton laveur. Donc ça, c'est bon. Pour se laver, écoute, on est au courant, hein. Il va prendre un vieux trait, attends. Est-ce qu'on lui fait une salle de bain quand même? Est-ce qu'on lui fait genre une salle de bain pourrie ou pas de salle de bain? Il a pas la force physique pour ouvrir les portes. Le carton de sa tour de PC pour la table de chevet. Oh mec, c'est génial ce que tu me dis. Je suis amoureux de ce que vous me dites. J'adore. Je crois qu'on va lui faire quand même une... Non, mais c'est pas lui qui l'a fait, mais disons qu'il a emménagé avec. Mais des murs quand même, mais vraiment une salle de bain pourrave. La truc vraiment dégueu, quoi. Une salle de bain mais fermée par un rideau. Oh, c'est pas mal ça. Mais est-ce qu'on a ça, des rideaux par contre? En fait, faudrait lui faire une salle de bain. Non, c'est pas comme ça, merde. Je suis con. Soy coño. Comment on fait? Blip blap. Voilà. Salle de bain comme ça, en fait. Voilà. Ça va être sa salle de bain, poteau. Mon gars, on va tous se laver, mais quelque chose de violent, quoi. Et en fait, c'était même. On va dire que c'était même pas une salle de bain, en fait. C'était juste une autre chambre. Mec, il a changé ça en salle de bain. Il a foutu un truc montable un peu. C'est une bâche de douche. Voilà, c'est marqué, c'est une bâche de douche. Et y a pas pareil, genre pour les chiottes. Non, pas un buisson parce qu'on l'a déjà fait la dernière fois. Mais y a pas des chiottes portables. Ça, c'est pour les gamins. Ça, c'est pour les chats. Sérieux, y a pas de chiottes portables. Bon, bah, des vieilles chiottes de merde. Alors, un truc qui date pas d'ailleurs. Qui date de longtemps avant Jésus-Christ. Et il faudrait en fait une lampe sur pied, parce qu'évidemment le plafonnier ne marche pas. C'est trop fatigant de rester debout pour la douche. Mets l'étoile d'araignée pour montrer qu'il n'utilise pas. Ah, ça c'est possible par contre. Attendez, il y a trop d'idées là. Oh là, faut que je m'étende là. Faut que je m'étende, faire une vieille lampe de merde.
Et ensuite, on va retourner dans les décorations murales et l'étoile d'araignée. Yes. Oh, mec, j'adore, je suis fan. Je suis tellement fan. Regarde, tout va, quoi. Tout va bien. Tout est cool. Je suis fan de ce truc. J'ai envie de vivre là. Il y a genre pas un rouleau de PQ, j'aimerais pas lui mettre un rouleau de PQ, mais genre un tube de sopalin, tu vois ce que je veux dire? Genre un mec, il a juste un tube de sopalin. C'est où, c'est là? Merde, c'est où? Tiens, le fout des bougies à côté. Quand ça pue trop la merde. Fous des Kleenex. Ouais, mais en fait, j'aimerais bien, il y a un sopalin aussi, mais j'arrive pas à le trouver. Dans les sculptures. Bah non, ça peut être dans les sculptures. Bah, il est où le sopalin? Bon, bah écoute, on lui fout un truc de PQ, mais loin. T'as pas du papier de verre. Bon, alors ça, deuxième besoin rempli. Se torcher avec des serviettes. Oh, c'est dégueulasse. Il est obligé de trouver un nouveau coin de la serviette à chaque fois. Écoute, la cuisine, ça va être là. À côté. Oh, c'est quoi cette chanson ultra badante qu'on entend là? Mec, c'est flippant. D'ailleurs, le son, ça va ou quoi? Vous entendez bien? On va lui foutre quand même une vraie cuisine, mais qui était là avant. Tu vois ce que je veux dire? Genre le truc qui date de... Voilà, ça là, ça c'est bien niqué, ça. Ouais, en bleu qui va avec rien. Merde. C'est pas mal. Voilà, ça c'est impeccable. J'ai envie de dire là, Valérie Damido, quoi. Un réchaud pour la cuisine. Voilà, quand même, parce qu'on n'est pas des barbares. Il lui faut un frigo, mais de merde, forcément, le truc qui a... Oh là là, il a l'air pourrave en plus, j'adore. Pas de four, un micro-ondes, bien entendu. Un robinet, mais est-ce qu'il va l'utiliser de façon... Voilà, c'est même pas un robinet, c'est un lavabo. Ah, j'adore. J'adore. On va lui foutre une poubelle, mais bon... Tu vois, une corbeille. À côté de la litière. Un autre tapis, là, ici, dans le coin, là, mais un tapis nul. Voilà. Je sais pas. Un autre tapis, là, quand même, ça, c'est la flavor decoration, il y en a besoin. De quoi on a besoin d'autre? Un vieux néon aussi au robinet. C'est exact, Redson. Putain, heureusement que vous êtes là, les gars. Heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce que je ferais sans vous, quoi? J'essaie de vous lire un maximum, les gars, hein, mais j'ai un peu de mal, ça va vite. Éclairage, blip, applique murale et néon. Oh, oh, la lumière dégueu. Le néon au-dessus du lit aussi, forcément. Non, sur le lit, il faut une petite lampe de merde. La petite lampe panda qui regarde par la fenêtre. Quand viendra sa libération? Quand pourra-t-il sauter? Voilà, impeccable. Impeccablissime. Yes. Évidemment, japonais, parce que c'est pas un gaijin. C'est pas un gaijin, forcément. Décoration. On va lui foutre un grand tapis sous son lit, une grande bâche sous son lit. Pour quand. Ah ouais, voilà, parce qu'il browse K aussi un peu. Il va sur K, sur 4chan. Parce qu'il aime trop les pistolets, tu vois. Il aime trop tout ce qui est arme à feu, tout ce qui est défense personnelle. Il a même son permis de classe, hein. Mais il l'utilise pas parce que sinon faut aller dehors et puis ça pique. Il est tellement pas habitué au soleil, ça pique quand il va dehors. Bon bah écoute, qu'est-ce qui manque là? Rien. Qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter qui serait nul? Y a pas genre une sculpture d'une meuf? Mais genre une statuette de merde mais pour avec une meuf dessus. Genre il a une waifu chez lui, quoi. Mec, il va me falloir des mods là-dessus. Y a pas une batte de baseball. Non, y a rien qui implique. Oh putain. Faut être niveau 4 de la carrière criminelle. Mec! Oh merde! Merde! Oh merde! Drapeau de la liberté? What? Ah merde! C'est quoi? Une bagnole. Bah écoute, ouais. Hop. Je sais pas. Faudrait des statuettes d'animaux en soutif. Mais ouais, carrément. Un sapin de Noël crevé. Mec, vous avez tellement des bonnes idées. Un sapin de Noël de merde, y'a pas ça? Putain, mais pourquoi ils acceptent pas la tristesse? Tiens, vestige de vase cassé, non, c'est de la merde. Ruine de milliers d'années, non? Un nounours que lui a offert sa mère une fois, qu'il a pas vu depuis 20 000 ans. Non, y a pas de sapin de Noël, t'es sérieux? Si, il doit quand même y avoir un putain de sapin de Noël, quand même. Mais jolie souche, quatrième partie. What?
Je sais pas ce que c'est. On va avoir des emmerdes, hein. On va avoir des emmerdes, mais je suis désolé, mais... Mec. Je suis désolé, mais... voilà, on me donne un truc, alors forcément... j'en ai marre, on va encore avoir des emmerdes. Désolé, hein. Je suis vraiment sorry. Gomen, no désolé, hein, mais... Merde, il est où? Elle est où, la batte? Elle était pas chère, elle doit être plus en haut, non? Elle est où, la batte? Il y avait une batte tout à l'heure, je suis pas fou. Un drapeau d'Israël. Ah, là, ok. Yes. Ah, yes. Et y a pas un truc genre il est fan d'histoire, c'est un armchair historian, genre le mec il est fan d'histoire mais parce qu'il est allé deux fois sur East, quoi, tu vois. S'il est fush, le motherload devient legit. Non, on va pas cheater trop de ouf. On peut cheater un petit peu pour voilà, pour prendre des trucs de merde, mais le lama ailé de la mort, mais bien sûr le lama ailé de la mort. Qui est en Game of Thrones. Yes, la main, elle est de la mort. Oh, génial. Flash Wing. Ah, j'adore. Mec, je suis tellement fan. Je suis tellement fan. Il joue à Fortnite. qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai l'impression qu'en fait, on a des opportunités de décoration murale qu'on n'a pas encore tout à fait. Yes, j'ai vu tout à l'heure, quelqu'un avait dit... voilà. Ah, oh, yes. Merde, j'ai un peu loupé. Ah, oh, yes. Yes, impeccable. Oh, putain. Ah, j'adore. Une télé pour mater Netflix, exact, il faut une télé quand même. Alors du coup, on va foutre... truc pour que le chat ici là. Pff, voilà, on sait jamais. Tac, ici. Alors, on va foutre un genre de petit salon de merde là. Faudrait le dernier souvenir de son père qui s'est barré le jour de l'accouchement en voyant son fils et qui a piqué tout le pognon sur le compte en manque familial. Mec, c'est dégueulasse. Mec, c'est dégueulasse. C'était bien les rideaux mal fixés. Y'en a? Ah, rideaux mal fixés comme ça. tu crois qu'il y a, vraiment des rideaux mal fixés pour le coup? Genre des trucs vraiment de merde. Ouais, non, y'a pas. Ah, c'est dommage, y'a pas de rideau de merde. Tant pis. Ouais, les rideaux mal fixés, j'aime bien aussi, j'avoue, je suis assez fan. Ok. Alors, un canapé pour Ave. Voilà, pliable. Yes. Putain, ça me fout le cafard chez lui. Une table basse de merde, Ikea, bien entendu. Avec une télé pour Ave dessus, cathodique, pour jouer à la NES. Et une petite lampe... une petite lampe fantôme. Non, je peux pas les foutre dessus. Qu'est-ce que je peux foutre? Non, ça c'est des lampes que sur pied. Éclairage. Mais une télé cathodique. Bah oui, non. Voilà. C'est pour mêler. Ah, un aquarium de merde, ça aurait été marrant aussi. Non, pas deux fois le truc. Ouais, non, ça, une lampe à néon à moitié, c'est de la merde. Et oui, qu'est-ce que je voulais? Oui, il y a des consoles ici. Voilà, impeccable. Comme ça, il a sa petite console. Oh, putain, la vache. Ça sera pour plus tard, ça. Ce sera pour bien plus tard. Bon, bah, voilà. Ah, il est déjà content. Bah, écoute, impeccable. Oh, j'adore chez lui, mec. Oh, c'est trop stylé. Attends, par contre, il manque un truc. Il manque un sol vraiment dégueu. Il faut un seul moquette, mais un seul moquette vraiment hideux. Voilà, ça, c'est la moquette dégueulasse. Bleu foncé. Oh, c'est moche. Oh, yes. Un peu rosé, là. Ah, ouais. Non, sale. Ah, ouais, c'est bien sale. Ça, c'est cool. Et ensuite, sur les murs, pareil, il faudrait un mur désossé. Ça, là, celui-là, il est sale. Oh, ouais. Oh, yes. Est-ce qu'il y a des paillassons? Des paillassons, c'est ça, quoi, non? Ouais, c'est ça. Ah, attends, il y a du flavor decoration qu'on a oublié encore, là. Et que je sais, I know for a fact that it's in there.
Dans Desta, non, c'est dans le déco. Tu peux mettre des trous dans la moquette aussi. Ah, attends, on va voir ça plus tard. On va voir ça plus tard. Ça me plaît ce que tu me dis. Donde está... Merde. Là-dedans. Pile de lettres, ça c'est bon ça. La pile de lettres à côté, lettres de fan. Ouais, enfin, c'est une pile de lettres quoi. Ça... Nourriture de synthèse, c'est quoi? Oh ouais, des traces dégueulasses. Oh, c'est bon ça, mec. Mec, c'est bon ça. Voilà, pile de linge, c'est ça que je voulais. Une vieille pile de linge, je sais pas, voilà, là. Ouais, ça c'est bon, collection de pierres du jardin, non? On s'en fout. Kit de débutant, rêve du fleuriste, non. Faudrait des traces de caca sur le papier journal parce que t'as les gosses du quartier qui l'ont fait le coup de la crotte en feu. Oh là là, mec, what? Tapis trace de pâte. Ah oui, les pâtes. Ah oui, ça, les trous là. Pâte décorative rustique. Ah bah. Voilà. Quelqu'un a chié sur le Quelqu'un a chié sur le paillasson. Qui c'est qui a chié sur mon papier journal? Qui c'est qui a chié sur mon papier journal? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? You damn kids! Damn kids! C'est quoi ça? Étagère nécessaire de lessive? Non, bien sûr que non. Faudrait un présentoir. Tu sais, un présentoir où tous les mecs ils foutent leur figurine d'animé. Alain, il en a un présentoir. Ah, c'est pas mal ça! L'étagère de provisions industrielles, c'est pas mal! Parce que c'est un survivaliste comme Varg. Varg Mikkel, tu connais pas? Est-ce que je peux le foutre là? Yes! Yes! Tu vois, je regarde toutes les vidéos de Varg Mikkel sur YouTube. Il a raison, hein! Yes! Mais tellement! Ouais, ouais, le truc radioactif, pourquoi pas? Présentoir magazine terrifiant. Ouais, non, c'est trop trendy, ça. La perf de Monster. Y a pas de présentoir transparent à truc de nerd. Dommage. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, là? Il y a un squelette. C'est pas pourquoi. À côté de l'herdi pour faire perfusion. Non, moi je veux que ce soit un truc vraiment genre il en a besoin quand il dort, sinon il meurt, tu vois. Je veux un truc vénère. Hein. Je veux que le mec il soit au bord de la mort tous les jours. T'es fou, toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait foutre? Ah, je pense qu'on va commencer à y aller, les gars. Je pense qu'il va falloir commencer à bosser, hein. Écoute. Ouais, non, j'ai l'impression qu'on est bien là. Qu'est-ce qu'on a d'autre là qu'on pourrait foutre? Je refais un petit tour vite fait. On peut pas foutre entièrement en blanc ce truc là. Je voudrais faire des traces de sperme sur le sol, mais. Nourriture en conserve abordable mais ésotérique. Ok. Ah oui! Oh oui! Oh, c'est très bon ça! Les trucs en bordel, mais bien sûr! Mais bien sûr! Oh putain, yes! Ouais, allez! J'adore. Mais il faudra quand même la place pour qu'il puisse cuisiner. Ouais, c'est bon, de toute façon, il a un micro-ondes. On est bon. On est bon. Désordre d'enfant, bien sûr, mais bien sûr. Putain, le mec, il a violé des gens, quoi. Oh, il a violé des gens, mec, il s'est passé quelque chose, là. Je dirais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Instruments médicaux, bien sûr, là, à côté, parce qu'il y a des petits problèmes. Et puis écoute, je pense qu'on va y aller. Du thé et des larmes. Non, dommage. Avec le néon qui clignote. Voilà, ça va Thibaut? T'es content de ton nouveau chez toi? Fais un câlin ton animal. Quand tu veux. J'espère qu'il va chier par terre. Faites qu'il chie par terre. Attends, ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr, non, mais j'aurais dû le voir dès le début. Voilà. Ah, c'est beau. Tiens, regarde ça.
contemple active l'aura émotionnelle de cette... Est-ce que t'as vu qu'il voulait directement aller vers son PC? Est-ce que t'as vu qu'il voulait directement aller vers le PC, mec? jouer, évidemment. Joue à... Bah, bien sûr, joue aux Sims. Mec, c'est toujours super étrange quand les Sims jouent aux Sims. Ça me fait super bizarre. Genre, moi aussi, quoi. Moi aussi, je suis là. Moi aussi, je suis en train de jouer aux Sims, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais boire un petit Red Bull. Voilà. Et voilà. Du coup, le but, c'est qu'on va le regarder faire ça pendant à peu près 12 heures par jour. Le reste du temps, il va aller chier, bouffer. Ok. Est-ce que je propose de faire, c'est d'aller directement... Thibaut est solitaire et Sim solitaire sont particulièrement heureux lorsqu'ils sont seuls et redoutent les groupes d'inconnus. Impeccable. Impeccable. Tu penses que c'est lui qui a créé B22, mais clairement. Clairement, t'as vu, en plus, il joue au Sims 1. Cette mise en abîme, mon gars, jeune adulte. Oh, c'est génial, il est déjà niqué, quoi. Allez, va chier vite fait, et on va directement aller en ville se balader. Qu'est-ce qu'on peut aller voir en ville? On verra plus tard. Parce qu'il a envie de draguer, il faut qu'il aille au cybercafé. Ok, on va choper le cybercafé après. En fait, c'est con parce que j'ai... Ah, il y a une araignée! Mec, il y a une putain d'araignée! Il y a déjà une putain de migale amazonienne! Oh, regarde! Il s'est même pas lavé les mains! Oh, j'adore! Alors, attends, bouge. Est-ce qu'il y a un centre? Je crois qu'il y a un centre à moitié pour les geeks. Un truc de merde, festival du geek ou je sais pas quoi, là. C'est un peu long, j'aurais peut-être dû le foutre sur mon SSD, c'est pas grave. Tu devrais mettre une machine à laver, même s'il l'utilise pas, il en a une, à chaque fois qu'il se changera, il frottera ses vêtements par terre. Il foutra ses vêtements par terre. C'est quoi ça? Planète Pop Miel, bar à karaoké. Bien sûr que non, il va pas aller au bar. Y'a pas... Putain, le festival du nerd, c'est pas maintenant, là? Ah, c'est dommage. Quartier chic, bien sûr que non. Salle de sport. Oh, mec, on le fait faire du sport, vite fait. Marché des épices. Gazouillis ou bord de l'eau. Merde, putain. C'est con qu'il y a pas le truc... Vas-y, on va aller faire mater des gens. C'est qui, lui? Mais c'est qui, lui? Je l'ai jamais vu. Bien sûr, vas-y, va avec ton raton laveur. Vas-y, va avec ton raton laveur à la salle de sport, poteau. En laisse. Oh, j'adore les pénis féminins. Tu crois qu'il a une collection de trappes? Mec, y a personne à la salle de sport. Attends, ce que je voulais faire, c'était... Comment on change... Je crois qu'on peut même pas changer les touches, si. Je crois qu'on peut même pas changer les touches. Dommage, j'aurais bien voulu foutre pause sur espace, en fait. Parce que ça m'aurait un peu aidé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il est beau. Oh, lui, c'est un beau gosse. Oh, c'est un beau gosse. Ce serait pas un membre de famille, lui? Regarde-moi ce mec. Regarde-moi Little Mac. Yale, yale, dasse. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde-le! Il va s'entraîner! Tu vas te faire mal, mec! Ouh! 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 Ah bon, gars! Don't taste me, bro! Don't taste me, bro! Oh là là là, mec. Oh, on a déjà des super... Ah, mais mec! Ah, mais c'est quoi, lui? Ah, c'est un grand brûlé! Mais putain, ah, t'as été en Irak ou quoi? On voit tes yeux, non? J'ai cru voir un œil. Il s'est trop musclé les yeux. Attends, j'ai cru voir un œil tout à l'heure. Peut-être si je rentre en lui. Peut-être. Ah. Je sais pas ce qui se passe. Mais il a une bouche ou quoi? J'arrive pas. Ah si, il a une bouche là! Elle est juste cachée derrière son nez! Mec. Est-ce que... Non mais... Il... C'est pas... C'est un testicule. Non mais c'est pas possible. C'est impossible d'avoir ça. Oh! Serait-ce... Oh, Monique Bellepoutre est là! Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Regarde-la! Oh, Monique! Oh.
Oh, t'es belle, Monique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regarde-moi cet artiste. Oh là là là. Regarde-moi ce style. Eh, elle est pas magnifique. Oh, on l'avait déjà croisée, elle, toute la dernière fois. Regarde. Oh, elle est belle, elle aussi. C'est la meuf dans The Big Bang Theory, tu te souviens? Oh, elle est pire qu'avant. Comment elle a fait pour être pire qu'avant? C'est la meuf qui... C'est hyper cute gueule. Girl. Non, gueule, d'ailleurs. Et c'est qui, ça, là-bas? Attends, eh, ça a l'air d'être une... Ouais. Ok. C'est pas... Ah, j'adore. Regarde. En slip au fond. Dans la nuit. Un homme solitaire. Vas-y. Ah, il va draguer. Oh, c'est beau l'amour. Eh, bonjour. Qui aussi t'aime bien les vieilles nuits. Tu peux jouer le début de Néo de l'Elegis Evangelion. Tu peux jouer le... Tu peux jouer l'opening de Yoshuga no Sora. T'as fini du fric. Espanoi Jaru Calculamis. Mec, il l'a fait arrêter. Attends, présente-toi. Présentation grossière. Ah, il a peur des inconnus. Il a peur des inconnus. Présente-toi, n'aie pas peur. Est-ce qu'ils sont en train de se péter la gueule? Évacue le stress, vas-y, pisse un coup. Mec, là, elle est sublime. Tu sais que c'est le visage le plus normal qu'on verra sur le jeu. Oh shit. Attends, vas-y, Rey Mysterio là-bas. Là. Vas-y, présente-toi, Rey Mysterio, j'aime bien. C'est qui? Sophie Rousseau? Elle a pas une tête à s'appeler Sophie Rousseau. Ouais, super. Eh, Sophie? Eh, qui connaît Rey Mysterio? Attends, demande-lui son numéro. Amour, je crois. Vas-y, demande si elle est célibataire. Eh, t'es déjà dans une guilde. Ok, Monique est célibataire, on est bon. Technique de drive, vas-y, fais une technique, poteau, vas-y. Oh mec, il me fait frissonner, il est vraiment dégueulasse, il me fait vraiment frissonner, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le dos? C'est une encre ou c'est un poignard? Je sais même plus de ce que je lui ai mis. Oh là, oh, le vent qui s'est pris. Depuis tout à l'heure, il se fait humilier. Vas-y, va draguer quelqu'un d'autre. Vas-y, drague Sophie. Essaye de se calmer. Vas-y, l'autre, elle va jouer de la guitare, là. Oh. Elle joue bien, limite, en fait. Y'a pas des gens pétés à l'étage? Bien sûr que si. Vas-y, allez, arrête de la draguer, là, c'est bon. Elle te réussira jamais. Qu'est-ce qu'il fait à mon chat? Qu'est-ce qu'il fait à mon raton laveur? Ok, là, y'a... Mec, tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de trouver... Oh, Angela Anaconda! Oh! Je m'appelle Angela, c'est mon nom! Et bienvenue à mon émission... Oh, il est beau, lui. Oh, mec... Il sublime. T'as vu, il a des lunettes pour cacher le fait qu'il a pas d'œil. Il est dépourvu d'yeux. Et là-bas, c'est qui? Ah, c'est Thor! Ah, on l'avait croisé, Thor, aussi, la dernière fois! Regarde, c'est Chris Hemsworth. Et du coup, il y a qui au premier étage? Il y a Son Père. Tout le monde est mort dans ce truc, en fait. En fait, j'aimerais bien qu'il ait un gosse. Oh, elle est bonne, elle! C'est qui? Lily Feng! Ah! Ah, y'a un truc qui... Je crois que le courant passe bien entre vous, les gars. Quand quelqu'un m'adresse la parole, je suis pareil. Vas-y, drague là, mec. Elle est japonaise. Sayonara, Lily Feng Chan. Je suis chinoise. Ah. qui veut du riz?
Mais mec, mais comment tu fais? Tu lui as juste dit bonjour et elle te fait la gueule. C'est quoi ça? C'est qui ça? Victor Feng. Merde, c'est son mec. Il va me faire du kung fu. Casse-toi. Fuis. Fuis, va draguer là-bas. Va draguer dans la cave. Attends, il y a un truc dans la cave. Là, on peut descendre dans la cave. Il y a une cave. Oh, dans les douches. Mais bien sûr. Allez, mais viens, le connard! Allez, dépêche-toi! Il se passe des choses! J'attends Redson. Tu peux pas, me dis pas que tu peux pas. Ah, il peut pas rentrer. Ah non, il peut pas rentrer, il est interdit. C'est une meuf ça? Ah, il peut pas rentrer, il a été interdit de rentrer dans les vestiaires des meufs. C'est pas grave, va mater les mecs, alors va mater Thor. C'est pas Thor ça. Oula, c'est pas Thor du tout. Attends, présente-toi grossièrement. Dis que t'as une grosse bite. I heard you got a fat cock. I've got a fat cock too. Bonsoir. Vimps. Flows it. Fuma. Bouche la mi. Vas-y, mets une serviette. Vimbus. C'est quoi prévoir? Ah, je croyais que c'était prévoir des femmes. J'ai... Oh yes! Allez, vas-y, va te montrer maintenant. Qui a. Oh, elle est bonne, elle! Vas-y, va la draguer. Pense à Mickaël. Fais-la kiffer, Bodo, fais-la kiffer. Mec, comme on va draguer, mais du lourd aujourd'hui. Même mon raton laveur, il est en train de draguer, regarde. Ceci est un chat. Il y a une manifestation dehors. C'est quoi? Ils font quoi? Mais ils manifestent pour... Oh la vache. Non, littéralement, elle est vraiment... C'est la plus belle de toute la map, Monique. T'imagines le délire, quoi. Attends, il est toujours en train de draguer. Il y a qui? Il y a une Renoir? Il y avait une Renoir? Ah oui, elle, là. Elle est comment? Drague-la tout de suite. Elle a des yeux d'amour, elle a les yeux qui crient braguette. Vas-y, présente-toi. Va niquer. Oh, comment elle est bonne, elle aussi, même s'il est en 2D. C'est un requin marteau. Elle t'y connaît, Street Shark. Oh, mec. Oh, lui avec ses yeux, là. Arrouga. Vas-y, va draguer, dépêche-toi. Mais putain, enlève pas ta serviette, viens là. Tu vois pas qu'elle est chaude là? Viens, oui, mets ton Fedora. L'autre s'est pété la gueule. Qu'est-ce qu'il y a dehors là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont une manifestation? Putain, je me pointe quelque part, il y a une manif quoi. Oh, lui il est beau gosse aussi là. Ah, c'est lui qui a pas d'yeux, non? Je crois que c'est lui qui a pas d'yeux. Non, il a des yeux lui. Bah, qu'est-ce que c'est ton problème toi? T'es pédé? Ouh! Ouh, ouh, ouh! Who the fuck is that? Oh, she thick, my man! Attends, il est en train de se prendre un raton derrière. Vas-y, continue, travaille là. Comment elle s'appelle? Suspiria? Ah non, Supria. Amoureuse des chiens. Ah, ça tombe bien, moi aussi, j'ai un ML de compagnie. Mec, elle est thick de ouf, elle. Comment elle s'appelle? Eva Capricciosa. Ah ouais, c'est une latina en plus, mec. Elle va te faire du curry. Je sais pas comment ça marche, les peuples. Oh, elle a beau être en 2D. Elle est bonne de ouf. C'est Edna Mode des Indestructibles. Est-ce que tu viens de te prendre un... Oh, le pauvre, mais il se prend vent sur vent. Personne le calcule. Mec. Attends. On va se barrer d'ici. Tu sais quoi, les meufs ici, c'est trop des putes. Elles sont trop calculatrices. Attends, à chaque fois elle veut niquer des mecs qui les traiteront comme de la merde, mais dès qu'il y a un vrai mec qui arrive avec du talent et qui est gentil, oh, vas-y va te balader avec Monique. Dès qu'il y a un mec sympa et tout, attentionné,
franchement, elle te calcule pas, quoi. Mec, les meufs sur D, elles sont moins difficiles. D'ailleurs, merci Redson pour un bal. Tente de draguer la nana de Big Bang Theory, c'est raccord avec le perso. Ok, on essaiera de la retrouver. Ça va? Et bonjour Monique, ça va, tranquille? Vas-y, faut que ce soit notre pote. Comment s'est passé la journée? Ça va? T'as passé une bonne journée dans la vie? Mec, on dirait la Frost Belle. Elle a la même voix que la Frost Belle Sœur dans Shrek. C'est bien mon t-shirt? Tu connais? C'est gros blanc. Moi j'aime bien le poulet. J'aime bien tuer les animaux de la ferme. Et j'aime bien mettre à mort des veaux. Stériliser des génisses. Tiens, partage tes photos. Montre ton folder de photos que t'as trouvé sur D. Mec, il est tendu. Il arrête pas de parler à des gens qu'il connaît pas, il est trop tendu. Attends, est-ce qu'on peut voir les photos qu'il montre? Ah non, mais il montre des vieilles conversations de merde, en fait. Ah, on s'en fout. Même la voix de Thibaut, elle est parfaite. Kizuki sur Smash. Bayonetta. Je veux plus jamais te parler. T'as une manette? Tu peux ramener ta manette qui vient à la maison? Vas-y, amour, vas-y, commence à draguer, là. Je sais pas, vas-y, dis-lui qu'elle est belle. J'aime bien ta crête, ça me rappelle les coques. Ah. Ok. Mais tu peux pas péter un truc, là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a que dalle, c'est de la merde. C'est quoi? C'est un banc. Je crois que c'est un gros animal. Oh, du piano, va jouer du piano. Mec, montre-lui. Montre-lui que t'es un tueur. Montre-lui que t'es un tueur, vas-y. Monique, j'ai créé cette chanson pour toi. Monique, c'est la plus belle. Monique, si c'était mon main dans Smash, je ferais des Smash B-Hop tous les jours et je sortirais avec et chez mon amoureuse. Monique, si tu étais dans Smash, on jouerait sur Destination Finale, mais avec des items comme les bébés ou l'amour que je porte pour toi. Allez, vas-y, arrête. Arrête, elle s'est barrée, mec, elle s'est barrée, rentre à la maison, rentre pleurer sous tes droits, mec. Le pauvre, il est trop stressé, regarde. Le pauvre, vas-y, ouais, ça, cours chez toi, mec, cours chez toi. Tu vas transpirer, poteau, tu vas transpirer. Oh, mec, il faudrait que je foute toutes les OST Kingdom Hearts dans la radio custom et que je fasse tourner ça sur son PC en permanence. Mec, yes. J'ai la meilleure idée du monde. C'est quoi déjà son truc? Il veut faire quoi? Génie de l'informatique, s'entraîner à programmer. Oh, bien sûr. Jouer aux jeux vidéo pendant 5 heures. Ah, mais non, mais tranquille. Franchement, tranquille. Tu rentres un jour, par contre, tu rentres dans la forêt ou quoi? Et l'autre, il passe par la forêt pour rentrer chez lui. Il a oublié le chat. C'est pas un chat, c'est un raton laveur. Oh. Vas-y, attends, déjà il faut qu'il bouffe. Manger un repas rapide, et bah écoute, nuggets. Chicken tenders. Vas-y, mange tes tenders. Les tendies, tu les as mérités, poteau. Ah. Attends, il a quoi dans son frigo? Ok, déjà il a des légumes, enfin des légumes, il a des cubes quoi. Mais il a du take-out, il a de la pizza, c'est pas mal. Ah, des canettes, c'est bon ça aussi. Un peu de lait, ok. Faudrait qu'il court avec les bras en arrière. Mec, c'est des nuggets ça. T'as pas bouffé ça quand même? Face à leur ado rebelle, et puis il y a celles qui ne se gênent pas pour leur tailler à costard. Attends, il y a le truc qui gueule. Il y a mon raton laveur qui gueule. Attends, il y a mon raton laveur qui a faim. Mec, mate les animés. Non, mate, il y a quoi? TV pré-ado, mais bien sûr, mais tellement. Vas-y, change de chaîne.
Change de chaîne. Merde. Comment change? Jouer un jeu multijoueur. Frénésie de fête avec Monique. Oh, mec, tu veux jouer avec Monique? T'as chopé son idée Steam. Ils sont bons tes chicken tendies. C'est super bon. C'est vraiment mieux qu'il y ait la jaille. Regarde son cou. Oh, le pauvre. Tu te racontes des blagues? Attends, mais qu'est-ce qu'il a, mon raton laveur? Ta gueule, le chat. C'est mes chicken tendies. J'aurais jamais dû te ramasser dans la rue, petit con. Le chat, ta gueule. Mec, ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'il va... Ah merde, je crois qu'il a faim du coup. Allez, je lui ai rien filé. Vas-y, remplis la gamelle, il va crever ton kleps. Enfin, ton kleps. C'est bon, t'as bien activé l'aura émotionnelle de la batte? Ouais, c'est bon. Voilà, il lui faut un peu de vomi là-dedans. Vas-y, maintenant, joue avec Monique. Joue un jeu en ligne avec Monique. Vas-y. Go, poteau. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi il va dans le hall manger ses tenders? Mais c'est pas grave, chie par terre, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la vaisselle quand même. Parfait. Il a foutu où son assiette? Oh, yes. Il fait pas la vaisselle, parfait. Et à la place, il va jouer au jeu multijoueur. Ah, d'accord. Tu joues à Wii Sports, en fait. Ah, dégueu. J'ai pas envie de le faire battre par une fille. Ah, c'est dégueulasse. Bon, attends, il va casser les couilles, le raton laveur, là. Il faut qu'on lui achète une litière pour qu'il chie. Attends. Putain, je vais lui foutre un barbecue parce qu'il a les chaussures, quand même. Il a les chaussures barbecue pour... Vas-y. On va foutre un barbecue. Là. et du coup, les trucs pour les chats, c'est où? Animaux? Non, comment on voit? Je sais pas. Dans les chiottes, peut-être? Tu crois que c'est dans les chiottes? Quelque part, c'est un endroit où on fait caca, hein. Ah oui, si, c'est ça, c'est dans les chiottes. Ouais, littéralement, juste un truc en plastique pour chier. Voilà, dans la cuisine. C'est bien ça. Voilà, impeccable. Ça me stresse qu'ils se mettent pas face à la télé. Ouais, j'avoue. Mais va chier, c'est bon, je t'en ai acheté un. Allez, va chier. Quoi? Tu fais chier le chat qui est en train de niquer Monique. Après, on va faire de l'ERP. Avec son dragon derrière. J'adore le lama ailé derrière, mec. C'est génial. Regarde-moi ça, quoi. Putain, son PC, il est éteint. Pff, il est même pas allumé 24h/24. Bah, c'est bon, tu vois, il arrête de gueuler. Impeccable. Mec, le chat, il était au bord de la mort, regarde. Enfin, le raton laveur. Ah, c'est un peu coupé chez vous. Comment ça se fait? Attends. Comment ça se fait que c'est un peu coupé chez vous comme ça? Bah. C'est quoi cette résolution de PD? Attends. Voilà. Vous voyez un petit peu mieux, c'est juste le haut qui est un peu coupé. Je sais pas pourquoi. Ok. Allez, il a bientôt fini de jouer avec Monique, là, voilà. Bientôt. Tac, voilà, c'est devenu ta meilleure pote maintenant. Vous avez fait une partie, maintenant c'est ta meilleure pote. Oh, joueur! C'était pathétique, un groupe d'adolescents agaçants ayant rejoint la partie en ligne se moquait de la performance de Thibaut. Oh non. Thibaut, le pauvre, va jouer à un jeu en solo. T'es pas assez bon pour lui. Il s'est fait un cyber bully. Ils étaient où les bully hunters quand t'étais en train de te faire agresser? Et non, c'est de la merde ton... Sérieux? Mais comment t'arrives à louper? Ah si, faut aligner les couleurs quand même. Ouais, c'est Docteur Mario, quoi. Allez, vas-y, défonce tout, là. Faut jouer 5 heures au jeu vidéo. Pour son... comment on appelle ça? Son aspiration de vie, là. Ça va, il lui reste encore un peu d'argent que sa mère lui a envoyé, ou sa tante. Sa tante, plutôt. Je pense que sa mère n'a rien à foutre de lui. Pourquoi la vie est une chienne et Thibaut son réverbère? Le mec s'appelle Thibaut et il a exactement la même tronche que le mec de mon ex. T'es sûr que tu connais un mec avec cette gueule-là, franchement? Ouais. Bonsoir.
Cécile Guérin. Personne âgée, tu m'étonnes, elle est morte. Ça va? Se renseigner sur le fait d'être mort. Je crois que ça y est, il a pété un plomb. Est-ce qu'il a fait fuir un fantôme? Est-ce qu'il a essayé de draguer un fantôme et elle s'est barrée? Qu'est-ce qu'elle fait? Mec! Mais qu'est-ce que tu fous? Mais attends... Mais mec, tu trouves pas qu'il y a un truc qui dérange? Mec, il a fait fuir le fantôme, même le fantôme il en veut pas. Oh le... Avec sa perfusion. Avec sa putain de perfusion. Allez, allume la menorah quand même, voilà, ça se trouve tu dormiras mieux. Il est où mon chat? Il est mort, non? Je crois que mon chat il est mort. Laisse la chiasse dedans quand même. Ah la revoilà. Putain, elle va jouer mon PC. Non, touche pas à ma partie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de niquer mes contacts Skype. Elle est en train de niquer mes contacts Skype. Elle est en train de foutre la merde. Elle est en train de foutre la merde, mec. Elle est en train de foutre la merde. C'est pas grave, laisse-la faire. C'est bon, c'est barré. Qui a cliqué mon ordinateur? Elle est sur ChatGPT. Allez-y, fonce là, fonce. Oh. Ah, ok. Ah, il va chier. Bien sûr, va chier. Allez, fais-toi un petit barbecue après. Parce que j'ai entendu dire que tu avais les chaussures barbecue, donc tu peux y aller. Hein. I got my barbecue shoes on. I'm gonna smoke me a fatty brisket. C'est vrai qu'il pisse assis. On avait fait en sorte qu'il pisse assis. Il y a plus l'araignée là. C'est dommage, il y a plus l'araignée. Juste au-dessus? Non, il y a une toile d'araignée, mais. Ah! Putain, si, il y en a une! Ah! Ah, dégueu. Vas-y, la faim, grille-toi. Des saucisses. Fais-toi des saucisses. Vas-y, go. Fais péter le barbecue en intérieur. Il va crever en... Je lui donne 2 jours. Je lui donne franchement... Mec, c'est sur la moquette. Hein. Oh là là. Il est en pyjama en train de faire des saucisses à 5h du mat. Sora, il dort comme une merde sur le canapé. Ah oui. Mais mange-en! Mange-en, trou de balle! Qu'est-ce que tu fous? Mange-les tes saucisses! Les gloutons, évidemment qu'il est glouton! En gros, le trait glouton, ça fait en sorte qu'il trouve aucune nourriture dégueulasse. Même s'il ramasse un truc dans la poubelle et qu'il le bouffe, y'a aucun problème. Voilà, c'est bon ça? Vas-y, mate la télé en même temps. Mate, ça doit être l'heure de midi. Bonjour les zouzous là. Non, ça doit être encore bourrin direct. Fous la télé! Ah, apparemment, mon raton laveur n'aime pas la télé. Oh! C'est quoi? Ah, il arrive. Casse-toi, créature du mal. Ok, c'est bon, tu bouffes. Eh ben écoute, c'est parfait. Maintenant, on peut aller... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, il y a des gens là-bas. C'est quoi? Ah! Oh, il y a Monique! Il y a encore Monique qui fait de la guitare! Vas-y, va voir Monique, c'est ta meilleure pote maintenant. C'est la seule femme qui te parle. Vas-y, fous ton plus beau Fedora. Oh mec, est-ce que tu crois qu'il y a un trench coat? Oh mec, j'espère qu'il y a un trench coat. Vas-y, va voir Monique. Oh, hey, Monique, j'ai vu à travers la fenêtre, elle est trop belle. Ah, je la connais, je l'ai en stalker. Maman? Attends, y'a qui là? Y'a qui? Oh, y'a du sec. Oh yeah, ma boy. Oh la vache, la tête gigantesque qu'elle a. Salut Jimmy Neutron, tranquille. Ça c'est qui? Ça c'est le méchant dans Venom. Waouh! Ah non, c'est le méchant dans Iron Man 3. Ok, et y'a rien d'autre là? Oh la vache, franchement, c'est super. C'est superbe. Oh, elle est bonne, elle est là-bas.
Regarde. Oh, yeah. Attends. Viens. Va voir la demoiselle. Bonjour madame. Vous avez vu mon loup sur mon t-shirt, c'est moi qui l'ai fait, j'ai gagné. J'ai fait 2 ans de l'école d'art. Oh, y'a Diego Lobo là-bas. Putain, mais personne ne l'aime. À chaque fois qu'il dit bonjour, il se fait envoyer chier, quoi. Oh, le pauvre gars. Je le plains de ouf. Oh! Mec, comment il s'appelle? Raj Razova. Mais mec, c'est le mec le plus cool du monde, lui, regarde. On dirait Lobo. Va lui dire bonjour. Présentation amicale, vas-y, faut que tu sois son pote à lui, parce que je suis sûr, il doit péter des gueules avec sa mâchoire. What's up, Scooby-Doo? C'est Youssouf Amir. Ça va? Bon, il a un peu un visage de pizza, mais il y peut rien au pire. À savoir que j'ai aussi fait un membre de la famille de Monique, qu'on a vu sur le stream des Sims permis de sortir de SCAD, et qu'il est beau, il est sublime. Ça va, t'es en train de draguer les gens, Vous savez que j'ai quand même 4 persos qui sont niveau max sur Lineage 2, et que sur Dofus, j'avais toutes les panneaux, hein. Y'a personne de nouveau là? Oh bah Gambo Chupa. Oh mais hey, dis donc, c'est Idriss Elba. Y'a quoi au fond là-bas? Oh, hey Latina. Attends, avance, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Oh mec, elle attend son prince charmant. Mec, Nani. Ok, je crois qu'elle est juste comateuse en fait. Eh hey, mais attends, c'est Rey Mysterio. Non, c'est pas le Rey Mysterio qu'on a vu tout à l'heure? Qui c'est qui... Au revoir. Quelqu'un est en train de m'envoyer chier, ok. Je crois... Non, c'était Sophie. Elle s'appelait Sophie, je crois. Oh, il est beau gosse, lui, là-bas, là. C'est qui? Akito Yoshida. Ah. Oh, il est... C'est comme moi. Toi aussi, t'as un Nihonjin. Oh, la vache, mec. Elle joue sur une guitare orc. Mais c'est une guitare basse. Mec, elle joue de la basse. C'est quoi, cette tâche? Est-ce qu'il va lui faire une piscine? T'es sérieux? Arrête, mec, s'il fait ça, il va crever. Eh, hey, t'as une tâche là! Piscine! Eh, t'as compris? Parce que t'avais rien en fait! Monique? Elle est en colère! Elle va lui péter la gueule! Mec, elle va lui péter. Mec, elle va lui péter la gueule. Elle va finir par lui péter la gueule. Mec, après tous les parties de Bleak Block que t'as fait avec elle en ligne en plus, tu vas ruiner ça. Il est en train de se faire enchaîner, je crois. Est-ce qu'il vient de parler d'un tank Sherman? Et qu'il connaît les Sherman? Je savais qu'ils avaient 32 mm d'épaisseur sur l'avant. Franchement, rentre chez toi, va jouer à Bleak Block. Vas-y, fuis. Fuis là. Il est où? J'ai cru voir ton chat de merde là, dans le coin. Non, faut qu'il aille se cacher. Attends, t'es fou quoi. Entraîne-toi à programmer. Vas-y, faut qu'il passe son milestone. Vas-y, entraîne-toi à programmer 5 heures, ça va, y'a pas besoin de bouger. Hop, voilà, acquis la compétence programmation. Oh! Bonjour, je vous contacte, vous venez à moment envoyer un exemplaire gratuit de notre nouveau, les écouteurs, machin. Ah oui, c'est les écouteurs gratos, en gros, tu peux écouter la radio, Ah, bah j'en ai eu quand même, ok. Attends, quelqu'un qui me dit bonjour? C'est qui? Oh, c'est Jean Latour? C'est mes voisins? Oh, lui c'est un voisin! Ah, c'est lui mon voisin! Ah la vache, pourquoi ils ont tous des grosses têtes, c'est marrant. Oh, elle, c'est ma voisine. Eh mec, j'ai trop envie de niquer Jimmy Neutron. Vas-y, non, les invite pas chez toi, c'est la merde. Dis-lui juste bonjour à elle. Vas-y, remercie-la d'être là, mais les laisse pas rentrer quand même. Attends. Verrouiller la porte pour tout le monde. Tout le monde sauf Thibaut, voilà. Ouais, c'est bon. Vas-y, arrête de jouer 2 minutes et va dire bonjour à tes voisins qui t'ont quand même ramené un cake. Bonjour. Comment ça va? Non, c'est l'assiette qui fume derrière, elle commence à puer la merde. Oh, mec, il est trop en train... Oh, comment ça commence à marcher? Comment elle le kiffe, regarde. Je crois qu'elle est déjà pleine, par contre, on va falloir faire de la place, poto. Hein. Va falloir la vider un moment, quand même. Prends ta batte. Ton voisin, c'est Koulibaly. Ah non, les gars. Par contre, je vis que dans un immeuble, en fait, de Harun Beheda, Raj Rasoya, Jasmine Dar Beheda,
et Guitarra Soya. D'accord, c'est que c'est deux Indiens et deux Arabes. Bah parfait, il aime bien les rebeux. Ton voisin, demande à toucher le bébé. Oh ouais, c'est trop flippant, j'adore. Vas-y, demande-lui. Je peux toucher l'être vivant qu'il y a dans ton ventre, dans ton utérus. Je peux écouter ton utérus, s'il te plaît. Petit bébé, tu es mignon, petit bébé. Tu crois qu'il va sortir de... Tu crois qu'il va avoir une épisiotomie? Je pourrais faire l'épisiotomie avec ma cicatrice. Faire connaissance. Vas-y, vas-y, vas-y. Drague-la, 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 poteau. À fond, à fond, à fond. Vas-y, t'es célibataire ou pas? Jasminder, elle a le sang chaud, très bien. Nous devrions y aller. Non, non, pars pas, pars pas. Partez pas. Elle est mariée à Haroun. Ouais, c'est ça, casse-toi, ouais. Bon, je m'occupe de ta meuf. Ah d'accord, en fait, ils habitent tous dans le même appartement. Ok, je vois. C'est plein de problèmes. Non, va pas dormir, va pas dormir. Tu crois que tu vas dormir? Tu vas pas dormir, tu lui parles. Tu savais que katana, ça voulait dire épée au Japon? Vas-y, complimente ta parent. Ouais, t'es très belle avec ton bébé dans le ventre, on dirait un Kinder Surprise. Ah, oh merde. Ah, elle a envie de chier. Ah, vas-y, elle va chier en couloir, laisse tranquille. Vas-y, va dormir. Va surtout pas te laver, hein. Je veux surtout pas que tu te laves. Non, on va te cacher, c'est super. Oh, yes. Yes. Lit double, coussin d'air. Vas-y. Yes. Voilà comme dorment les vrais gars. Dors, dors. Ouais, dors pour de vrai. Ah, il fait une sieste. Voilà, dors tout habillé, c'est bien ça. Oh, les losers. Je comprends pas comment les gens font pour dormir tout habillé. Même habillé un petit peu, je comprends pas le... Je m'ennuie, vous auriez un peu le temps pour discuter. Casse-toi la vieille, là. J'ai dit, casse-toi chez moi, là, tu pues. Tu sens la vieille soupe. Non, mais dors pour de vrai. Dors pour de vrai. Ouais, change de côté, on sait jamais, ouais. Quel gros loser ce mec. En plus, le truc, c'est que vu que le lit, c'est de la merde, ça prend 8 ans pour que son énergie monte, tu sais. Donc genre, il dort pour 12 heures, tu vois. Ah, il y a le festival des frappes. Putain, mais vas-y, tout le monde me harcèle maintenant, là. Vas-y, 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 elle nous invite au festival. La meuf enceinte, elle nous invite. Ouais. Mec, elle veut la tub, elle veut la Thibaut tub. Elle veut la Thibaut tub, direct. Mec, je vais... Oh là là. Je vais tellement frapper la tête de son fils avec ma bite. Tu comprends? Pendant qu'il est toujours dedans, tu vois. Ça va faire. Sur son crâne. Franchement, elle est où? Ah, yeah. Oh! Il s'habille en Octis pour l'occasion! Yes, vas-y. Ah, j'adore les vampires! Vas-y, à qui? Oh! Arug! Ok, il y a elle avec son visage de Top Gun. Il y a Jean-Michel Nazi, très bien. Lui, il regarde tout le temps vers le futur. Lui, mec, tu trouves pas qu'on dirait une aventure? Ah mec, je suis en train de m'étouffer. On dirait. Mais on dirait Lino Ventura maintenant. Oh des pigeons. Ramène-en un pour chez toi avec ton raton laveur. Parle-lui pendant que tu pues, yes. Moi j'aime bien les vampires parce qu'ils sont trop dark et c'est un peu comme moi en fait. Je me reconnais vachement dans les vampires et je me reconnais vachement dans Jared Leto dans Suicide Squad. Je peux toucher ton bébé encore. J'aime bien le sentir bouger. Je pourrais le toucher quand il sortira aussi. Attends, faut regarder les feux d'artifice. C'est comment on fait pour regarder les feux d'artifice? C'est où les feux d'artifice? Nani Esta et le feu d'artificio. Faire un graffiti ensemble. Oh, mec, c'est trop romantique. Vas-y, va graffer. Eh, viens vite, on va aller signer les personnages d'animés. On va... Pourquoi les gens, ils brillent là-bas? Mec, il y a une famille qui brille. Pourquoi vous brillez? Les rebelles, les chevaliers errants. Putain, ils sont trop cool. Mec, je suis sûr, ils font du RPE. Oh, vas-y. Il s'est peint la gueule. Vas-y. Oh, la vache. Oh, attends, parce que lui... Regarde. Oh, il est sublime. Oh, il a l'air tout le temps super stressé, en fait. Ah. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Blasé. Attends, t'es en train de graffer le sol avec une meuf, t'es fou, quoi? Mec, il est blasé.
Mec, en plus, il y a un thème à moitié chinois derrière. C'est trop Nihonjin, c'est trop toi ça. Mec, il pue, il a envie de pisser, il a faim et tout. Pisse par terre, c'est pas grave. Mec, il parle même pas, il est juste en train de peindre le sol. Mais il s'en fout dans la gueule en plus, cet abruti là. Tu veux que je te graffe la chatte? Repeins-lui la chatte. Allez, allez, vas-y. Oh, yes, c'est beau ça. Mec, c'est super stylé, t'es ouf ou quoi? Vas-y, fini. Mais ta gueule, fini. Allez, allez, allez. M'oblige pas à te bannir. Mec, il arrête pas de se foutre de la peinture dans la gueule, c'est elle qui fait tout depuis le début. Thibaut est un glouton, les signes gloutons peuvent manger, encore manger n'importe quoi, mais prenez garde à eux si vous voulez avoir faim. Bah, je m'en bats les couilles. Il mangera après, t'inquiète, il mangera des trucs dans la poubelle, il mangera son raton laveur, là, y'a pas de problème. Mec, c'est quoi ce logo de groupe de death metal, là? T'as fini? Ah, il est trop mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il fait? Il va bouffer? Ah ouais, il est en train de se choper à bouffer. Il est où? Il est où ce con? Qu'est-ce que tu fais? Il va chier? Ah oui, il va chier! Je croyais qu'il allait chier dans les buissons, mec, j'aurais tellement kiffé. Dans les chats des femmes! Oh, dommage. C'est le logo Darkspire. Je connais pas, je peux pas te dire. Certainement, hein, je te fais confiance, mais. Oh, va acheter un t-shirt de merde! Vas-y, achète un t-shirt du festival. Frasque et humour, 25 balles, yes. Et prends un bouffer là. Des merguez. Yes. Oh. Ah mais mec, il est couvert de merde, regarde. Il s'est passé quoi, mec? Ah, oh, c'est dégueulasse. Il est couvert de merde. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, poteau? Respecte-toi un peu. C'est dégueulasse. Mec, tout le monde se barre. Regarde, dès qu'il s'assoit, tout le monde se barre. Oh, c'est elle qui parle, d'accord. Je me disais, il y a quelqu'un qui parle dans le futur là. Mais du coup, le feu d'artifice, c'est quand? Je crois pas. Il dit, regardez le feu d'artifice, mais je vois pas trop où c'est. Hein. Oh, il est en train de claquer. Il est en train de se cramer la gueule. C'est quand le feu d'artifice? J'ai rien en dernier, j'en ai jamais vu de ma vie. À chaque fois, il était interdit de sortir. Personne? Putain, t'as réussi à pas faire fuir des gens, mec. Oh le pauvre avec, oh là là, avec sa gueule d'aspirateur là. Oh, mec, il a la lèvre intérieure qui tremble. On dit, il me fait penser en fait à un personnage de sport qu'on aurait complètement loupé. Yasmider, elle veut ton corps, elle reste. Mais t'as vu, regarde, mec. Elle a trop envie de Ken. Qu'est-ce qu'elle me rappelle? En fait, on dirait un personnage de Code Lyoko. Non? Je sais pas, mais elle me rappelle quelque chose. Ou genre le PC dans Tron. Wow. Oh. Même lui, il me trouve dégueulasse. Même lui, mec, il me trouve dégueulasse. Lui qui boit de l'uranium quand même. Thibaut a fait les premiers pas à son voyage culinaire à travers la ville. Ouais, c'est super. Et tu veux pas prendre une douche aussi quand même? Regardez la représentation. De qui? Elle fait de l'humour. Elle est bonne un peu, elle, non? Enfin, c'est la plus normale, non? C'est la moins plus pire. Tu peux pas fouiller les poubelles? Oh, charge la nourriture! Mec, c'est génial. C'est génial. Non, pas Al 9000. Je parle dans Tron, l'espèce de gros truc. T'as trouvé un truc? Oh! T'as trouvé quoi? Mec, il a trouvé des spaghettis! Il a trouvé des spaghettis! Dans la poubelle! Somebody touch my spaghetti! Oh, j'adore cette vie, mec. J'adore ce mec, je suis fan de ce mec. Il est parfait. Oh, regarde vite, regarde le feu d'artifice. Yes, je veux l'achievement. Waouh. Comment c'est trop beau. Il pue, c'est une horreur. Waouh. Il est paumé, il voit rien. Waouh! Jesminder, t'as vu ça, Jesminder? Jesminder? Oh le pauvre, il s'est assis! Mais il regarde pas le feu d'artifice? Mais c'est barré, je crois! Je crois qu'il comprend pas comment ça marche en fait, le feu d'artifice. Waouh, c'est comme dans Arma!
Allez, casse-toi à la maison, mec, c'est fini. Elle s'est barrée, mec, elle s'est barrée. Elle s'est barrée, rentre chez toi. Oh, le pauvre. Mais mec, elle l'a abandonné. Putain, il est parti chier, elle est rentrée chez elle. Oh, le pauvre mec. Thibaut. Toutes des salopes. C'est ça, WAP. Toutes des salopes. Ça vient pas du tout de Thibaut qui pue la merde. Allez, vas-y, va te laver un jour, mec. Va te laver, vas-y, va te laver. Va te branler sous la douche, poteau, parce que là... Il y a encore ton chat qui a la dalle. Regarde-le, il va chier sous la douche. Je crois qu'il s'est pissé dessus. Je crois qu'il est en train de chier dans la douche, en fait. Ouais, il est en train de chier dans la douche, ouais. Ouais, et l'hygiène n'augmente pas. Mec, sa douche, elle va prendre 8 heures. Regarde l'heure. Il est minuit et demi. Vas-y, continue. Voilà. La douche a duré une heure. Parce qu'on a commencé à minuit. Oh là là, laisse tomber. Vas-y, remplis la gamelle de ton truc dégueulasse, là. Non. Attends, avant de dormir. Débarrasse pas l'assiette qui pue, là. Ça, c'est parfait, j'adore. Le mec, il est fatigué. Mais évidemment qu'il est fatigué. Il dort pas, le pauvre. Mec, il a un lit gonflable qui fait mal. Ça pue la merde. Il y a des fantômes. Et il faut qu'il soit en plus relié. Ah, regarde-le. C'est quoi? Ah, il y a Vladislav Strauss. Oh, mec. Affreuse douche. Cette douche de mauvaise qualité donne l'impression de cracher de la grêle, pas de l'eau apaisante. Franchement, c'est pas grave, quoi. Oh, mec, la calvitie, en plus. C'est un jeune adulte avec une calvitie. Oh. Je suis sûr, il a des puces dans son lit, mais oui, mais il a des acariens qui pèsent 3 kilos, quoi. Ah, et on voit l'araignée qui se balade au-dessus des chiottes, c'est horrible. Ok, impeccable. Ah, on a bien dormi. On va manger un repas au micro-ondes, forcément. Le pauvre... Faut que j'installe un mode pour le suicide, en fait. Je pense qu'il n'y a plus que ça. Oh, le pauvre... Regarde. Il est trop vénère, c'est... Il ouvre trop... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est malade, ton truc? Ah non, mais faut l'emmener à la clinique vétérinaire, poteau, hein. Attends, mange avant. Mange avant. Ouais, mange. C'est où la clinique vétérinaire? Ah, je crois que c'est genre là, non? Faut aller ailleurs. Clinique vétérinaire, voilà. Parce que là, y a un problème. Je crois qu'il faut que j'arrête de lui filer de l'uranium. Ton chat qui a le cancer du nez. This isn't my final form, mortal. C'est mon stand. Je crois que c'est mon stand qui est malade. C'est quoi cette musique de porno qu'ils nous ont mis, là? Putain, j'ai quasiment plus de Red Bull. Pardon, on va faire avec. Soit que mon chat fait tout ce qu'il faut. Monsieur. C'est pas un chat. Inscrire sera pour une castration. Allez. Vas-y, go. Va pas le soigner tout de suite. Va pas... Il a amené son repas. Il a amené son putain de plateau au repas. Ah, mec. Mais non. Il a amené... Oh, mec. Non, mais c'est dégueulasse. Oh, lui aussi, il est malade. Oh non, le pauvre, regarde, on dirait Ziggy. Wiggy, je sais plus. Oh, le pauvre, il brille. Vous en voulez? Il y a des carottes, il paraît que ça rend aimable. Il y a le mec de B22. Oh, attends. Monique, elle est vétérinaire? Mais... ouais. Elle a pleuré ses yeux, je crois. Mais attends. Monique, toi, ici? Mais je pensais qu'il testait les animaux. Ah non, mais elle s'occupe que des castrations. D'accord, je vois. Elle s'est mis vétérinaire juste pour les castrations. Putain, comment elle marche.
Ah, et il va bien mon chat du coup? Intervention en cours, ok c'est en train, c'est en train. C'est une baudroie la meuf. Ah, il s'est fait cramer alors qu'il est même pas à fond. Attends, il est tendu mon perso là. Oh là là. Oh, il va faire la mort quoi. Mec, pourquoi il est bleu? Pourquoi il est bleu mon raton laveur? Oh là là, non mais c'est une chambre à gaz. C'est une chambre à gaz, rentre pas. Sora Nobo a été castré, ça signifie qu'il ne peut plus avoir de petits. Cependant, grâce à la magie et la technologie, vous pouvez annuler cette intervention grâce à la station de chirurgie. Ah, dégueu! Alors par contre, il faudrait peut-être qu'on soigne. Parce que là, c'est bon, mais voilà, il est bleu le machin, et j'ai l'impression qu'il va claquer dans la minute, quoi. Il s'est fait hacker les couilles. Il y a eu un bypass des couilles. C'est bon? Voilà, vétérinaire, quoi. Mais attends, vous l'avez fait castrer alors qu'il a des polypes. En fait, c'est marrant parce que j'avais jamais vu un animal qui était une merde. J'adore ce kleps. Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Oh, il est trop cool. Bob. Oh mec. Oh, il est trop bien. Oh, le pauvre petit, il est tout malade. Ça va, arrête de te retourner, sale fils de pute de chien de merde. Il est où, mon raton laveur? Où est-ce qu'il est? Bah, non, mais vraiment, il est où, mon raton laveur, par contre? S'asseoir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'occupe de mon raton laveur? Où est-ce qu'il s'est fait tirer dessus? Non, c'est bon. Je crois que j'ai paumé mon raton laveur. Ah non, il est là. Qu'est-ce qu'il fout là? Et personne va s'occuper en fait de mon putain d'animal. Oh, elle est bonne à moitié, non? Hey, elle est presque pas difforme. Vas-y, drague la poteau. Ça va. Attends. Mec, passe ton bras au-dessous d'elle. Genre, ça fait semblant de t'étirer et passe ton bras au-dessus d'elle. Yeah, you are lady. Oh là. Elle a pas l'air de kiffer. Ah, mais elle a pas de menton en fait. Tu veux le mien? Oh, le pauvre. Il est en dépression. Je crois que Monique va attendre le vétérinaire. D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait l'examen de l'animal là. Ah, elle s'occupe de mon. Ah, c'est bon. Il y a Monique qui va s'occuper de mon raton laveur. Tu pourras avoir Bob si tu la ken. Oh, grave, mec. Le premier truc qu'il dit, c'est j'aime bien les jeux vidéo. Bah quoi, il est fan, normal. Il est lent, ce con de raton laveur. Franchement, limite, tu peux le décapiter, y'a pas de problème. Hein. Pip, 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 pip. Do not kill. Je veux être streamer. Oh mec, on en fait un streamer. Il est en train de bricoler mon chat, quoi. Oula. Et mon chat qui est pété. Ah. Oh la vache. Ah, c'est cher. Basique. Ouais, basique. On s'en fout. Ah voilà. Do not kill. On est bon. Skate or die. Ok. Voilà, on rentre. Allez, on se casse. Allez, va streamer, poteau. Oh la scoliose nucléaire qui se tape. Avec ses vieilles jambes de 5 cm d'épaisseur. Ah, attends. Prends un truc. Ah non, c'est des objets pour animaux, je crois que c'était un distributeur pour bouffer. Non, on se casse. Casse-toi. Rentre à la maison. Voilà. Je crois que j'entendais mon raton laveur en train de se battre avec un chat, par contre, je suis pas sûr ce qui se passait. Ok. Thibaut Paille. Il va s'appeler Thibaut Player. Ah oui, c'est ça la blague que tu faisais en fait. Allez, oh la vache, j'avais oublié que chez lui c'était un taudis dégueulasse. Comment on fait? Réseau social. Consulter son nombre d'abonnés sur Simstagram. Quoi? Est-ce que tu veux dire que son animal a un compte Instagram et pas lui?
Ça va, Thibaut? C'est un peu triste. Franchement, c'est un peu triste. tu peux pas... Arrête. Tu peux pas streamer? Non, joue. T'es pas fatigué, t'as envie de jouer, là. Voilà. Le pauvre, je crois qu'en fait, il est même pas fatigué, il avait juste envie d'aller sous la couette pour être dépressif. Mais je lui laisse même pas la possibilité, en fait. Parce que j'estime qu'il a pas le droit. Il est où ton chat? Je crois qu'il est en train de se faire recueillir par quelqu'un d'autre. Regarde-moi ce winner. Regarde ce winner, mec. Dark Thibaut Sniper Killer. Non, il joue à NFL. Enfin, il joue à... Attends, c'est FIFA, ça? Ah oui, c'est FIFA. Exact, il joue à FIFA. Le chat, il se fait convertir. Faut avoir un certain niveau en gaming pour faire du streaming. Ah, d'accord. Ça va, il apprend vite. Allez, amuse-toi, connard. Ah, là, il est heureux. Regarde son visage de heureux, là. Voilà. Ça va tout seul. On a 100 points. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 points? Divertissement instantané. Ouais, ça, c'est de la merde, ok. Faut attendre un peu plus pour avoir des cadeaux de ouf. Et il y a genre des skills que tu peux choper qui te permet de plus avoir à dormir, par exemple, plus avoir à pisser ou un truc comme ça. Jouer à un jeu de foot au clavier, mais c'est pas grave, écoute, il joue à football manager, entraîneur, je sais pas quoi là. Le chat veut même plus rentrer. Je crois qu'il ne peut plus rentrer. Il me semble, parce qu'en fait, j'ai fermé la porte à tout le monde sauf Thibaut. Alors je crois que le chat va mourir dehors. Il va avoir 150k abos sur Twitch et il va baiser de la bonasse. Oh grave mec, et voir tellement de fans. Après il va falloir lui trouver des fringues de ouf et tout. Allez vas-y. Améliore-toi en gaming. S'inscrire au tournoi de jeu pour débutants, nice. Comment on fait? Jouer. S'inscrire au tournoi de débutants pour 20 balles, bien sûr. Vas-y fais péter. Inscris-toi poteau, tu vas tous les défoncer mec. Hein. Défonce-les au Sims, yes c'est bon ça. C'est bon, en fait t'es à la GDQ mec. Vas-y. E-sport, il va ken sévère sur Abo Hotel. vas-y. Défonce-les tous aux Sims. Il va faire un live cosplay Noctis 55k direct. Eh mais mec, je viens de penser à un truc. De ouf. Il nous manque quelque chose en fait. D'ailleurs, il nous manque un truc pour qu'il se change. Et sur le costume de Noctis, il nous manque quelque chose. Qu'on va mettre tout à l'heure, t'inquiète pas. On va le mettre tout à l'heure. Il va faire du Noctis ASMR. j'ai hâte qu'il devienne streamer, mec. Finalement, les autres participants de ce tournoi étaient meilleurs que Thibaut. Pas de prix pour cette fois. Oh, le pauvre. Vas-y, va manger des saucisses. Il va manger des saucisses. Vas-y, kiffe. Oh, le pauvre, ça pue la merde dans sa cuisine et tout, c'est... Yes! C'est bon! Attends, prévoir les tenues. Ouais, prévoir les tenues. Voilà. Kebo Ken parle monde entier dans le jeu. Ok. Très bien, faisons comme ça. Tac. Et voilà, je voulais faire ça. Et... Oh putain, non. Attends. Y a pas autre chose de plus dark. Il me faut un truc dark, là. Un truc devant la gueule, tu vois. Oh! Oh, yes. Oh, yes. J'aime ce mec. Oh! Oh, mais mec, c'est parfait! C'est génial! Y'a rien d'autre... Mais mec! Voilà, ça, c'était sa tenue de furry, parfait. Sa tenue classe, et bah écoute, franchement, là on est bien quoi. Oh non! Oh non! Mec, il a perdu tous ses matchs, t'as même les mecs qui se sont foutus de sa gueule en ligne qui sont venus pour le bully hier. C'est pour ça qu'il a fermé sa porte à tout le monde en fait. Rade-le à bouffer ses hot dogs sur une assiette en plastique devant la télé quoi. Il regarde quoi la télé? Ah, son âme. Allez, arrête de bouffer, il faut jouer là. Merde, non, visite pas l'appartement, t'es fou. Vas-y, entraîne-toi à programmer parce qu'il faut qu'il s'entraîne 5 heures et on aura passé un milestone de son inspiration. Et du coup, on pourra débloquer des trucs, je pense, à faire avec le PC, tu vois. Vas-y, go. 5 heures, c'est pas long, 5 heures. C'est que dalle, 5 heures. J'ai streamé, Ah bah, je suis dans ma 5h30 là. Je suis à 5h30 de stream, franchement, c'est que dalle.
C'est bon, 2 sur 5 ? Eh, tranquille, mais tranquille, poteau. Attends, faut que j'aille chercher un truc à boire. Je reviens, les gars. Regardez-le bien s'il est pas en train de se suicider. Je reviens tout de suite, les gars. Mais tu vois, je me dis, quelque part, est-ce qu'on n'est pas tous un peu des Thibauts ? Je pense que quelque part, dans le fond, on est tous un peu des Thibauts, tu vois. Mais ils s'entraînent à programmer sur quoi, en fait, là ? Ah, si, ça peut être limite crédible. Si, ouais, ça peut être limite crédible, en fait. Il y a même plusieurs tables, il y a... Ouais. Non, mais si, on est tous des Thibauts. Et bien sûr que si, toi, Hoffman, qui mange du bois... Toi, Yadar, qui dors à peu près 26 heures par jour. Moi, qui joue pendant des heures et des heures et des heures et des heures. On est tous Thibaut à un certain niveau. Pas tout en même temps, mais on est tous Thibaut à un certain niveau. Alors, pour la chambre en bordel, je sais pas trop. Je suis pas un Thibaut, j'ai eu deux copines. Non, mais en vrai, Hoffman, on parle pas sur vous. Je crois que mon chat est définitivement mort, en fait. Il est où ? Il est où mon chat ? Je crois que mon chat est littéralement chez quelqu'un d'autre. Je crois qu'il s'est fait adopter par quelqu'un d'autre, en fait. Eh, mais attends, qu'est-ce que t'es en train de faire, là ? T'as pas fini de programmer ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais, mec ? Arrête de bouffer des hot-dogs, gros cul ! Va programmer ! Crée un module d'extension, c'est quoi ? Mec, fais un module YouPorn. Fais un truc qui sert à tout le monde. Parce qu'en plus, je crois qu'on peut se faire de la thune. Ah oui, c'est vrai. On peut se faire de la thune quand on n'a pas de carrière, quand on est pirate, je crois, ou quand on est genre modeur ou autre comme ça. Ah, il y a mon chat qui est en train de crever. Sora, non. Enfin, tu as succombé au chancœur. Allez, go. Allez, il a gagné 14 balles. C'est de la merde. Entraîne-toi. Arrête de bouffer, putain, gros cul. Allez, reste une heure, là. Il a fait un mode de nude pour les Sims. Allez, 5 heures, et on a passé un niveau. Niveau supérieur, voilà. Peut désormais modifier des jeux. Oh, mec, ça y est, il peut modder les Sims. Bim, étape terminée. Je sais pas ce que ça nous a filé, j'ai pas l'impression que ça nous ait filé quoi que ce soit. Fais voir dans l'inventaire de la maison. Non, que dalle. Je crois que tu t'es fait entuber, poteau. Ah, il a des hot dogs dans sa poche. C'était... En fait, on s'y attend tellement. Restez concentré pendant 2 heures consécutives de jeux vidéo. Restez concentré. Ah ouais, faut rester concentré. Du coup, arrête ça et va jouer. Il faut que tu joues et que tu restes concentré, d'accord ? Joue à... vas-y, inscris-toi encore pour un tournoi de merde, là. Ouais, blick bloc. Sora a faim, vous pouvez l'aider en lui donnant une friandise en remplissant une gamelle. Non, démerde-toi. Il est même pas là en plus. On s'en fout de Sora. Tu vois pas qu'il faut que j'écoute des vidéos ? Qui veut que je perde mon tournoi, c'est ça, maman ? Ah, la gueule de confiant. On dirait Ron Perlman. Est-ce qu'il vient de lâcher une caisse ? Je crois qu'il vient de lâcher une caisse sur son DX Racer. Putain, mais il est pas concentré, ce con, il est que confiant, là. Triste perdant. Oh là 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 là. Oh, le mec, il est triste, mais il est confiant, ça pue chez lui. Attends, son animal de compagnie, il est mort. Attends, je vais quand même ouvrir. Non, je vais ouvrir. Tout le monde sauf les membres du foyer, voilà. Mais tu t'es encore fait... Tu t'es encore fait bully, poteau. C'est la merde ou pas ? Regarde un truc à la télé au moins, allume la télé là, loser ! Regarde des vrais gens, ça c'est des gens des Sims 3 en plus, on les reconnaît avec leur gueule de merde. Oh, c'est dégueulasse, ils regardent un concours de trucs. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vas où ? Tu vas pas faire la vaisselle, hein ? Yes ! Yes ! Le bureau plein de vaisselle dégueulasse ! Parfait.
Vas-y, joue à Big Block, mais reste concentré, ok? Faut que tu te concentres, poteau. Faut que tu restes concentré 2 heures, d'accord? Putain, il est encore triste. Il mange toujours le même truc. Bah oui, il mange que des hot dogs avec ça qu'il sait faire, mec. Il a participé à des tournois de Tetris, vous voyez, c'est ce qu'il est en train de faire, là. On rentre dans l'âge de la dépression. Ça fait un moment qu'il y est, le pauvre. Mec, il va fêter son anniversaire tout seul et tout, je le sens, le truc. Putain, t'as même perdu en solo, mais t'es vraiment une merde. Le raton est là. Et là ? Il a mangé ? Ah putain, sa litière, elle est pleine de merde. Mettre dans l'inventaire. Non, vide là. Nettoyer la litière, voilà. Yes ! Impeccable, c'est bon ? Voilà. Allez, on continue. Non, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Non, là, on a rien à faire là. Putain, comment on peut rester concentré ? Je sais plus comment on fait pour se concentrer. Faut aller dans un grand camp, je crois, non ? Pour apprendre à se concentrer ? Ouais, ma gueule, je sais. Non, dors. Le pauvre, il est triste tout le temps, quoi. C'est horrible. Putain, j'ai plus rien à boire. Ah, mais si, je suis court, je me suis amené une canette en plus. Qu'est-ce qu'il fout ? Assailli par des abeilles ? De quoi ? De quoi ? Mais pourquoi ? Quoi ? Mais y'a pas de... Ah mais putain, des abeilles ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Cours Thibaut ! Cours ! Cours Thibaut ! C'est la merde ! Vite, ton épipène ! Putain, il s'est fait piquer ? Mec, il s'est fait piquer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mec, je crois qu'il va contempler... C'est encore pire avec les murs. Il est allé contempler les posters d'idoles qu'il avait. Faut que je laisse les murs comme ça, en fait, parce que c'est mieux quand on voit les volets et tout fermés. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il va encore manger des hot dogs ? Putain, mais il arrête pas de chier, ce con ! Regarde la merde qu'il a foutu en 2 heures ! Voilà ! Eh bah, écoute, faudrait que tu joues encore, poteau, hein, mais que tu sois concentré. Comment on fait pour se concentrer ? Je sais pas comment... jouer... My Sims Go ? Ouais, pourquoi pas ? C'est un nouveau jeu ? T'as un nouveau jeu ? T'achètes des jeux sur Steam, toi ? C'est quoi My Sims Go ? Oh là là, oh waouh, ça a l'air génial. Ah mais c'est Crash ! Y'a un niveau comme ça dans Crash ? Ça existe, ça ? T'as foutu une maison avec des animaux grouillants, des abeilles, ça doit être pareil. Ah oui, c'est des animaux ! Réussite introvertie. Faites en sorte qu'un sim n'ait pas l'interaction sociale pendant 24 heures de sim. Ah non. Mais c'est pas un achievement. Mais c'est pas un achievement du tout, ça. Oh là, le pauvre. Oh, c'est horrible. Ah, mais en plus, la bouffe, elle est dégueulasse. C'est pas grave. Il va la bouffer quand même. Tu peux pas te concentrer vite fait, par contre, parce que là, ça sert à rien de jouer, là. Mon appart du Crous, il sera comme ça plus tard. On l'espère tous, mec. On l'espère tous. Il est où, mon raton laveur ? Attends, je crois qu'il a faim, du coup. Parce que là, sa bouffe, elle est pourrie. Tiens, viens bouffer. Viens bouffer ta bouffe de merde, Sora. Allez, à table. Mange ça. Alors, moi, je les mange, je m'en fous, hein. Voilà, bouffe bien le moisi, là. Comme c'est bon. Go web Simpedia pour te concentrer. D'accord, ok. Attends, parce que du coup mon perso il vient de se faire piquer par des abeilles. Et il est affamé. Mais ensuite on va aller faire ça, d'accord. Merci beaucoup Areski. Pauvre pipou, c'est pas un pipou, c'est de la merde. Regarde, en plus il a un Beetleborg là. J'adore sa déco, mec. C'est génial. C'est vraiment génial. Si on met tous les murs, on a le plafond ou quoi ? Ah ouais, on a même le plafond. Mec, oh là là, 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 là. On peut faire des vues, regarde. On peut faire genre... Tu sais, il y a ces streams comme ça de gens nuls chez eux. Il est où ? Ah, il est là. 24 heures dans la peau d'un gros loser. Il vient de lâcher une caisse. Il y a rien qui va, là. Allez, vas-y, fais...
Voilà, il va prendre une douche, très bien. Oh là, c'est génial. En cam comme ça, le Thibaut chaud. Je vous laisse comme ça une petite heure et on voit ce qui passe, ok? C'est un titan de Titanfall, un des deux mecs qui a joué. Putain, il a mis sa fursuit. Il a mis sa tenue de Fury. Voilà. Oh wow, vas-y. Va chez Jesmina, en plus avec ta belle fursuit, elle va être trop jalouse, mec. Tu peux péter dedans, en plus, elle saura pas. Vas-y, go. Ah ouais, mec, ça va être le gimmick de Thibaut. Il stream en fursuit. Ça va être bon, ça. Il va avoir, c'est une chaîne allemande. Oh mec, comment c'est trop bien, c'est Jasmine. Et madame qui est bonne un peu. Bonsoir. Vas-y, plains-toi des jeunes du quartier. Ils font chier, ils m'ont tagué mon... ils m'ont tagué mon comment ça s'appelle? Mon raton laveur de compagnie. I'm gay. I'm also the best Dragon Ball Fighter Z player on the fucking planet. Don't forget it. Il lui faut un pseudo à la Sonic Fox. Lightning Raccoon. Lightning Raccoon, poteau. Drague là. Comment ça à draguer là? Comment ça à attaquer là? Technique de drague, vas-y. Hey, baby girl. Ah, shit. She hates me. Va raid son frigo. Mettre un déjeuner dans un sac en papier. Vas-y. Y a pas de la bouffe qui est déjà faite. Pourquoi t'as mis un verre d'eau? Il a un verre d'eau dans son inventaire. Yes. Il a vie. Il arrive, il regarde la télé, mec. Oh, j'adore ce mec. Mec, j'adore ce gars. Il est parfait, quoi. C'est... Oh. Change la couche d'un bébé qui est pas à toi, mec. Non, Thibaut, qu'est-ce que tu fais, Thibaut? Arrête, Thibaut. Ah, Thibaut, arrête. Thibaut, casse-toi. Tu m'as volé des trucs. Ok. Vas-y, va draguer encore là. Vas-y, discute des coins de pêche locaux. Quelqu'un avait qu'on pouvait trouver des beaux droits pas loin. C'est surnaturel. Cette scène est surnaturelle. Vas-y, faut qu'on soit friendzone. Vas-y, renseigne-toi sur la carrière, on s'en fout. Elle est végétarienne. Ouais, ça va être chaud déjà. Franchement, ça va être chaud déjà. Raconte une blague autodénigrante, tu sais faire que ça. Tu sais qu'hier, j'ai mordu mon caca. débattre sur la stratégie de jeu, ça c'est bon. Discuter des derniers jeux, ouais, ça c'est bon aussi. Faire l'éloge du mode de vie des vampires. Vegan plus furry. Thibaut, c'est un tchad, il va cuck son mari. Oh, grave. En plus, t'as vu, elle a perdu le bide. Par contre, y a ton gosse qui est en train de chialer là-bas, c'est pas un problème? Non, bah, c'est pas grave. Elle est trop occupée à niquer. Suggère des activités amusantes. Eh, on pourrait niquer. Mec, mais pourquoi elle l'envoie chier? Il parle juste. Vas-y, je me casse, rentre chez moi, t'as eu. Vas-y, c'est bon, je me casse. Avec ma fursuit qui pue la merde, je me tire, je rentre chez moi et je vous encule tous. Oh, y'a Monique là-bas. Y'a Monique. Parle à Monique. Voilà. Vas-y, ça c'est une vraie amie, Monique, ça. Attends, pourquoi... Est-ce qu'elle vient de m'éviter? Est-ce qu'elle vient de me foutre un gros vent? Non, c'est bon. Yes, Monique. Oh, elle est joueuse en plus. Se plaindre de son ennui. Je me fais chier la bite. Monique, je me fais chier la bite.
Go te faire prendre par Kirby 54. Les Furry Raccoons doivent être dans son top 3. Vas-y, discute des derniers jeux, je suis sûr qu'il kiffe. Avouez sa peur des vampires. Yes. Oh putain, elle est blasée. Mec, elle était joueuse. Tu lui as parlé 2 minutes. Elle est blasée, quoi. Oh là là, rentre chez toi, mec. Rentre chez toi. T'es en train de tout démolir. Rentre chez Watt. Non, c'est pas possible. Oh putain, il croise en... Oh! C'est comment ça s'appelle? Merde! Evil Dead! Ou Resident Evil 4? Les deux. Resident Dead. Allez, on rentre à la maison, on va jouer aux jeux vidéo, y'a que ça qui me comprend. Y'a que ça qui sait pour échapper à ma réalité. À ma dure réalité. Thibaut, il est chiant comme la mort. Mais en même temps, à chaque fois qu'on lui parle, ça doit être trop triste, genre il doit dire que de la merde. Jouer à My Sims Go. Non, va pas dormir, t'es un débutant ou quoi? Oh, le pauvre, il soupire en jouant et tout. Tu sens qu'il a rien envie de faire. Non, félicite pas ton animal. Je crois que même le chat se dit qu'on pue, en fait. Le chat vient de me renifler, je crois qu'on pue. C'est bon, tu t'amuses? Ça remplit ta vie morne. Attends, ce qu'on va faire? On va pisser. On va bouffer. Tu sais quoi? Pour une fois, on va commander des pizzas. Acheter un restaurant, non. non. Attends, on peut poster une photo Instagram de notre chat. Oh, la photo Instagram. La photo Instagram. Ici, vous voyez mon raton laveur. Non. Non. Pourquoi? Non, le pauvre. Oh mec, on va tellement avoir de followers avec ça. On peut pas changer d'angle? Ah. Celle-là, elle est géniale. Celle-là, elle est super. Ah, j'adore. Yes. Oh, il a gagné 23 abonnés. Mais mec, mais t'es famous. Vas-y, bouffe des saucisses encore, là. On va... Est-ce que mon raton laveur vient de trouver une pièce d'amélioration électronique dans les poubelles que moi, j'ai déposées, qui était entièrement remplie de sa merde? Bon, bah, parfait, ça coûte 120 balles. On est tranquille, hein. Oh, il y a des photos de son chat. Qualité médiocre. Super. Attends. Normalement, ce qu'on peut faire avec ça... C'est blip, voilà. Non, mais voilà. Oh là là, y a rien qui va, c'est génial. Bonne nuit l'autruche, ciao mec, merci d'être passé. Hein. Qu'est-ce qui est fou? Je crois que la vieille s'est fait... Oh la vache, la perte de loche, qu'est-ce que tape? T'as vu ce bordel? Mais pourquoi? Heureux, il est content. Il est content, un fantôme avec des gros nichons. C'est quoi ce hentai, le fantôme aux gros nichons, quoi? Voilà, va dormir. Dormir dans la merde. Impeccable. Je crois que le fantôme trouve que aussi que c'est mal rangé et qu'il s'apprêtait à faire la vaisselle. Ah, et maintenant il va programmer un truc. Big Chili Ghost. Je crois que ce fantôme est enceinte. Non, je crois qu'elle est juste grosse parce que c'est une vieille. Ouais, c'est une vieille. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais avec mes assiettes? Touche pas à mes assiettes. Qu'est-ce que tu fais? Elle a posé mes assiettes sur... Elle a juste rangé mes assiettes. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Ok. D'accord, pas de problème. Salut Nacro, merci de passer aussi, mec. Vous inquiétez pas, je pense que le stream va plus être très très long. Je pense qu'on va couper dans pas longtemps. J'aimerais bien juste qu'il dorme un peu. J'aimerais bien juste qu'on passe le prochain milestone d'aspiration, là. Et ensuite, on coupera. D'accord, on fait comme ça? Petit bonobo. Quel héros, putain. Putain, il y a les fantômes qui font son ménage. Évidemment, c'est tellement la merde chez lui que même les fantômes, ils en peuvent plus, quoi.
Comment on fait pour commander une pizza déjà? Je comprends plus. C'est pas dans les services? Faire du bénévolat? Acheter un service, c'est ça. Réveille-toi, commande une pizza, gros cul. Tac, voilà, livraison de pizza au bacon canadien, voilà. Pas une quête fromage parce que c'est legit bon les quêtes fromage base crème, donc fais un peu de ménage quand même, vite fait, mais vite fait, hein. Non mais fais tout le ménage, nettoie tout, gros cul, voilà, nettoie. Y a une pizza qui arrive de toute façon, c'est bon. Tu vas pas être affamé, hein. Y a que ça qui pue, non, y a ça aussi qui pue. C'est la première fois de CV. C'est la première fois, genre en une semaine, qu'on fait le ménage, poteau, quoi. Et c'est toujours aussi dégueu, hein. Elle vient quand, la pizza? Attends. Faut peut-être que j'ouvre, du coup, pour la pizza, non? Débloqué, voilà. Mais attends, y'a une pizza qui arrive, tu vas pas bouffer un hot dog, gros cul! Arrête! Alors attends, Simpedia, c'était Simpedia, plus de choix. Web. Voilà, parcourir Simpedia. Je crois que ça va le concentrer, ça, normalement. Comme l'a dit, je sais plus, Araski, je crois, tout à l'heure. Ah, il est concentré. C'est bon, il est concentré. Vite, jouer à même Simgo. Vas-y, go. Voilà, là, il est bien concentré. Il faut que ça dure 2 heures. Faut qu'il reste concentré pendant au moins 2 heures. Allez, poteau, rends-moi fier, Thibaut. Bats-moi un Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut, doudou. Bats-moi un Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut. Yes! Et bah voilà, on est tranquille. Devenir adulte, ça c'est bon. Atteindre niveau 3 de la carrière gourou les technologies et créer un jeu vidéo ou une application. Putain, il va falloir aller bosser. Mec, il va falloir que Thibaut, il se trouve un job. Mais qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Mec, que nous réserve l'avenir? Thibaut, il va trouver un boulot. Ça se trouve, il va trouver une nana, il va falloir qu'il commence à meubler son appart et tout. Ça va être ouf, mec. Ça se trouve, Thibaut, c'est le prochain Bill Gates. C'est le prochain sticky, enculé d'Apple, déjà, je me souviens même plus. Thibaut peut désormais faire des recherches sur les stratégies de jeu avancé. Il peut aussi impressionner d'autres amis en montrant ses prouesses aux jeux vidéo. Quel beau gosse, quoi. Elle a pas 3 heures de retard, la pizza. Si, il y avait un stream qui était comme ça aussi, qu'on avait fait avec Whisky, où la pizza avait genre 2h30 de retard. Oh putain, on peut améliorer son... améliorer les graphismes. Waouh. Ah, mais il est pas bricolo, c'est de la merde. Un jeu multijoueur, My Sims Racing avec... Vas-y, joue avec Monique avant de partir. Fais une petite partie avec Monique. Yes, tu vas la défoncer, en plus t'es concentré, poteau. Yes, My Sims Racing, vas-y. Oh, ça a l'air trop cool. Toute Attends. Merde. Mon animal de compagnie, c'est un raton laveur. Les fameux fuient, je mange des hot dogs. Et je chie dans ma douche pliable. J'ai une télé cathodique. Je pue et je joue à Smash Bros. J'adore ces trucs. Oh, t'as gagné! Mec, t'as gagné! J'espère qu'il a défoncé Monique. Vas-y, finis la partie au moins. Ensuite, tu vas chier, tu vas bouffer. Putain, il est encore concentré, mais mec, c'est un tueur en série maintenant. Donc, du coup, c'est carrière gourou des technologies. Putain, on va devoir trouver un boulot le prochain stream, les gars. C'est la merde, hein. C'est la fin de la liberté, les mecs. Hein. vas-y, mange des salades du jardin, mais non. Un repas rapide. Ah, il est quelle heure? 14h. Eh, c'est l'heure des céréales. Les Fruit Loops à l'après-midi, mon gars. Oh là là, les céréales dans l'après-midi ou le soir. Oh, il est toujours en pyjama, il est 15h. Mec, c'est génial. Voilà.
Je veux qu'on reste comme ça pour la fin du stream. Je vais couper le stream là, les gars. Il est bientôt 2h. J'espère que ça vous a plu, ce stream. C'était... Franchement, c'était de la bombe. Non. J'espère qu'on retrouvera Thibaut bientôt, Thibaut Nobo. J'espère que ça vous a plu de créer Thibaut ensemble. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. J'aimerais bien finir Far Cry 5 un jour. Je sais pas si je prends demain, on verra bien. Mais en tout cas, je suis très fier de ce qu'on a accompli ici ce soir. Je trouve qu'on a fait un héros. Et c'est ça qui compte. Ok. Allez, ciao les gars.